Bonjour à toutes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver comme tous les samedis sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot, samedi 16 avril 2022. Merci de nous accueillir chez vous. J'imagine que tout va bien et que vous prépariez dans les meilleures conditions la journée pascale de demain, la fête pascale. En attendant, excellent week-end à toutes et à tous et puis bonne fête de Pâques à tout le monde. Eh bien, Samedi Sport de ce jour le parle du basketball avec le plan d'action 2022-2024. On va savoir ce que la Fédération nationale de basket Togo prévoit faire dans les deux ans à venir. La Fédération togolaise de tir à l'arc a formé les journalistes sportifs. Vous allez en savoir un peu plus dans ce magazine. Préparatif Cannes des Dames 2022 au Maroc. Un premier regroupement a commencé vendredi à Lomé. C'est du 15 au 24 avril 2022. Ensuite, les éperviers dames seront en mise au vert, soit au Maroc, soit en Tunisie. Qu'est-ce que ça veut dire ? On en parle. Nous faisons aussi un retour sur le stage de la sélection A' à Blida en Algérie. Deux matchs amicaux sanctionnés par une défaite et un nul. Qu'est-ce qu'il se passe avec le stade de Kégué, avec les travaux de réfection qui ne finissent pas ? Les éperviers peuvent-ils évoluer devant le 12e Gaïndé, le 12e homme au stade de Kégué ? Que faire pour être prêt au début des éliminatoires? N'oublions pas que nous allons parler de la 14e et dernière journée de la phase régulière de la D2 nationale de football avec la qualification pour les playoffs de l'étoile filante de Tambov et d'Espoir dans le groupe A. Puis dans le groupe B, on a, vous le saviez depuis, on a Fouadan, Doumbé et puis Koroki. On va en parler. Et la première division qui reprend avec la deuxième journée des playoffs, ce sera demain, ce week-end, avec des matchs intéressants au programme. Nous n'oublions pas de parler du tournoi de l'UFO avec les tirages au sort au niveau des U20 et des U17. On va en parler. Guélaire Inoussa va évoquer les nouvelles du Septentrion, notamment le retour des playoffs avec trois matchs à suivre. Par exemple, ce match entre Togo Port et AS Bina au municipal, Gomido, Dito, Akbalim, et puis le match ASK, Asco, Akara, le derby de la Cosa. Angelo Folicoué vient parler Europe, notamment avec les quarts de finale retour de la Ligue européenne des champions. Liverpool, City sont bien là, représentent la première Ligue anglaise. Real Madrid et Villarreal vont défendre les couleurs de la Liga espagnole. Nous avons pour invité aujourd'hui Dr Léontine Tibé, vice-présidente de la Fédération nationale de basketball Togo, Chéria Diogblé de TLS Africa, Edem Bolor de Radio Victoire, Fiaboué Kofi Sina, il est l'ancien entraîneur de la SOTA, Florent Kataka, administrateur du centre Swallows. Samedi Sport, la mise en onde est assurée par Théo Ajavon et comme toujours la vidéo, c'est l'affaire de Sir Von Elom. Moi, je suis Franck Nounyama. Bonne arrivée. Et la radio qui mouille le maillot, on va le mouiller jusqu'à midi. Vous le savez, il y a une petite pluie ce matin sur Lomé. C'est bien, peut-être des signes, voilà, de bons signes pour la fête pascale de demain. Et comme on le fait, on ne va pas commencer cette émission sans avoir salué ceux qui nous soutiennent de près ou de loin. Bonjour à Djeha Boutsomekor. On salue également ses collaborateurs, le major Tiou, sergent Tipendou, colonel Degué, voilà, sans oublier chef de division. Donc on salue le président Kamal. Bonjour Bokadio Faustin, Kpade nou Kpade. Bokadio Faustin, j'espère que tout va bien. Ça va. Bon, on se verra. Bonjour à Difa, bonjour à Palmer Koumoudi, bonjour à Mama Togo, Mama Gorozozo, bonjour Mama Sport FM, bonjour Dodi Le Mancunien, bonjour Thomas du Grand Marché, bonjour Mohamed Touré, tout va bien. Bonjour Gérard Sélassié, Nabédé Meza, Mariam Tetoufea, bonjour. Bonjour à tout ce beau monde, nous disons bonjour à Campbell Agbavito, directeur sportif de Asfosa. Bonjour Ampoule,
ben Marseille, ça va et c'est certainement qu'on est content pour la victoire de la dernière fois. Marseille qui se hisse en demi-finale de la Ligue Europa Conférence. On verra bien si l'Olympique de Marseille sera en finale. Il faut d'abord passer par Francfort. Voilà, on salue également tout le personnel de la radio. Devant moi, c'est Loma Dovon qui est là. Théo Ajavon, bonjour. Jules Gamligo, ambassadeur, bonjour. J'espère que le carême se passe bien. On va saluer Michel Abali. On va saluer Eloma Mingra. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage à toi. Et voilà, on va se retrouver très, très, très bientôt. On dit bonjour à Kelly Akosso, à Antoinette Cabouret, bonjour Latif Yoruma, Grégoire Attignon, Roméo Hector, Angelo Folicoé, bonjour Kelly Akosso, Joanita Blavotri, Marie-Christelle, tout va bien, 13e heure, mais ce n'est pas pour aujourd'hui, ça fait la semaine prochaine, mardi. Voilà, j'espère que tout va bien auprès de toutes ces personnes. Bonjour la supervision, Aimé Ekpe, bonjour Yvette Clousset, bonjour Cédou Foudou, la direction générale Gina Lawson, bonjour la fondation, l'honorable Joseph Tico Akoda, excellente fête de Pâques déjà à toutes ces personnes. On n'oublie pas la grande famille de la cathédrale, Epifanatico, bonjour Serge. Bonjour Raliatou, bonjour Louise, bonjour Agedji, bonjour à ITV, Auguste Raymond, tout va bien, j'espère. Bonjour à toute cette grande famille, les amis, bonjour à Alfreda, bonjour à Thérèse, Gabine, Ayok, Damari, bonjour. Bonjour Jérémy, chef protocole, Roger et Venamédé. J'espère qu'on a fait le tour. On n'oublie personne. Hein, on n'oublie personne. Voilà. Tout va bien, j'imagine. On dit bonjour à Issawe Pikuyem, le confrère de Pagouda. Bonjour à Catherine. Catherine, voilà. Et on va commencer cette émission. Voilà, on est ensemble jusqu'à midi. Vous le savez, il n'y a rien à faire. C'est sur la radio qui mouille le maillot. Radio Sport FM. Alors, on va y aller. La première rubrique, vous la connaissez, c'est avec Angelo Folicoé. On parle Europe et internationale et on se retrouve derrière juste cette pause. Comme toujours, on se retrouve comme tous les samedis. On est très heureux de vous retrouver pour la page Europe de cette émission Samedi Sport sur la radio qui mouille le maillot naturellement. Angelo Folicoé, bonne arrivée. Bonjour Franck, merci. Bonjour à toutes et à tous. Tout va bien. Dans l'ensemble, on essaie toujours de gérer Franck. C'est comme ça, il faut toujours tenir. Never give up, disent les Anglais. Et on va commencer par la Ligue européenne des champions. Vous le savez, les quarts de finale retour ont été disputés la dernière fois. Et l'on retrouve Liverpool et puis City en demi. Le Real qui est au rendez-vous, comme toujours. Et puis Villarreal comme l'invité surprise. Oui, au décompte de ces matchs de quart de finale retour, je pense que Villarreal reste la plus grosse sensation. Hein. Une équipe emmenée par Unai Emery, qui est déjà bien connue sur le continent, qui a aussi, entre guillemets, cette tâche-là qui lui est restée depuis la fameuse remontada entre le Barça et puis le Paris Saint-Germain. Mais n'oublions pas que c'est un coach travailleur et la dernière fois, il a permis à cette équipe des sous-marins jaunes de pouvoir écarter simplement le Barça. Bayern Munich, à la grande surprise. Le Bayern. Exactement, à la surprise de tout le monde. Et au sortir de ce match, on a vu combien de fois les joueurs de l'équipe d'Unai Emery étaient vraiment satisfaits, contents d'avoir réalisé cet exploit, qui plus est à l'Allianz Arena, qui l'aurait cru. Parce que voilà, la sortie médiatique que je juge un peu ratée quand je fais un peu du recul par rapport à Julian Nagelsmann, ça n'a pas du tout plu aux joueurs, à certains observateurs. On a senti un petit brin ou bien un brin d'arrogance dans sa façon de communiquer. Mais bon, c'est aussi ça. Le football, il est jeune, il n'a pas suffisamment d'expérience. Mais bon, aujourd'hui, Villarreal passe et c'est le Bayern qui trépasse également. Le Real Madrid au forceps hein, qui arrive également à prendre le dessus sur Chelsea à 10 minutes de la fin du match. Le Real était éliminé, donc il devait déjà plier bagages. Oui. Mais c'est sans compter sur la réactivité de ce groupe de Carlo Ancelotti qui était placide tout au long du match. Le Real
Sénégal, certes, menait 3-0, mais il ne gesticulait pas. Il était aussi calme dans sa zone technique. Et puis derrière, un changement qui fait toute la différence, Rodrigo, et quel coup de patte de Modric. Et puis sans oublier Karim Benzema, l'increvable, qui continue d'enfiler les buts comme des perles. Et voilà, il permet justement au Real Madrid d'être en demi-finale, même si ce Real-là, pour moi, ne pratique pas un beau football. Ouais. Mais donc, vous diront que bon, l'essentiel, c'est d'être qualifié pour la suite. Et bon, on attend de voir la suite. C'est l'efficacité. Hein. Lorsqu'on voit un peu la possession de la balle également, ils ne sont pas au rendez-vous. Donc, voilà. On verra. Donc, pour City et Liverpool, je pense aussi que c'était presque attendu côté City, même si on s'attendait à un match très, très heurté du côté du Wanda Metropolitano. C'est ce qu'on a vu, avec une fin de match assez soporifique, trop engagée, même à la limite d'un combat de boxe. Moi, ce que je n'aime pas du tout dans un match de football. Mais on a vu City, certes, qui n'a pas marqué, mais qui a résisté autant à cette vague des Colchoneros. Et pourquoi pas ne pas aussi saluer la performance de Liverpool, même si c'est un 3 buts partout au match retour. Ils avaient déjà fait l'essentiel lors de la manche aller. Ils avaient fait l'essentiel lors de la manche aller. Lorsqu'on descend un tout petit peu au niveau de la Ligue Europa, le favori, n'ayant pas la langue de bois sur cette compétition, lorsqu'on voit un peu le Barça, on se dit que c'est le favori, mais les Blaugrana se loupent. Ils ont été surpris. Surpris parce que quand je regardais le match, je me disais, mais tiens, quelle entame de match. D'abord, c'était compliqué pour eux. Je ne sais pas s'ils ont vu de haut cette équipe de Francfort. C'est une possibilité dans la tête de ne pas être aussi concentré sur l'adversaire, quel que soit le pédigré. On se rappelle, au match aller, c'est un but partout. Les Blaugrana même ont arraché l'égalisation. Et à la maison, ils devaient avoir un capital confiance pour arriver à bout de cette équipe qui n'est pas, en tout cas, un fou d'ordre guerre en matière de football européen. Mais on dit souvent l'appétit vient en mangeant, et voilà, Francfort ne s'est pas du tout privé face au Blaugrana. Ils n'ont pas été du tout complexés, quelle que soit la forme du Barça. Et pour moi, ils ont déroulé le match et ils ont vraiment créé cet exploit-là de sortir cette équipe du Barça, même si c'est vrai, aujourd'hui on a des joueurs plus expérimentés et en même temps âgés, accompagnés des jeunes loups qui sont en train de sortir un peu la tête de leur tanière. Mais toujours est-il que ça fait mal pour Xavi, qui a mis en place un chantier. Et si jamais il allait au bout de cette compétition, ne serait-ce que disputer une finale, ce serait quelque chose qui va beaucoup plus lui donner du crédit sur le banc Blaugrana. Ce n'est pas le cas. Bon, ce n'est que partie remise, mais également félicitations à Francfort qui se qualifie pour la demi-finale d'une Ligue Europa. Ouais, c'est bien de les féliciter, cette équipe allemande. Il y aura d'ailleurs un autre club allemand en demi-finale. Ce n'est pas une surprise. Leipzig, aujourd'hui, un seul homme incarne la belle forme de cette équipe qui est presque sur un nuage. Je vais parler de Christopher Nkunku, aujourd'hui prisé par les grandes escouades, que ce soit Manchester United ou encore même le Paris Saint-Germain, qui veut refaire la cour à son ancien joueur. Il a été formé justement au Paris Saint-Germain avant d'être laissé et partir du côté de l'Allemagne. Je pense que Leipzig, on se rappelle très bien en début de saison, c'était d'abord compliqué pour eux en championnat, et puis les compétitions s'enchaînaient. On se disait, est-ce que cette équipe-là pourra allier à la fois la compétition domestique et en même temps être présente sur l'échiquier européen? Mais là, ils prouvent très bien à suffisance que c'est une équipe capable de faire de bonnes choses, même si on se rappelle que cette équipe a été un peu découpée par le départ de Upamecano et de Sabitzer du côté du Bayern. Ouais. Mais aujourd'hui, le groupe est encore là, très vif, très joueur. Et voilà, aujourd'hui, tout ça est mis en place par un entraîneur qui fait du bon boulot, et il fait énormément confiance à Christopher Nkunku, qui aujourd'hui, franchement parlant, je ne sais pas comment Didier Deschamps pourrait se passer d'un tel joueur, même si c'est vrai qu'en équipe de France, on a de très très bons joueurs de grande qualité. Voilà, on l'appelle même le Benzema de Leipzig actuellement, Christopher Nkunku. Ça nous permet d'aborder maintenant les majors et le premier championnat qu'on va prendre en compte, c'est bien la première ligue anglaise, et l'on parle de la 32e journée et ce match entre Southampton et puis Arsenal. Ça doit être un match normalement pour un rebond.
un regain de forme pour l'équipe d'Arsenal qui reste sur trois matchs soldés par des nuls et des défaites. Donc l'équipe de Arteta, on a l'impression qu'elle est en train de perdre du terrain dans le dernier virage du championnat. Ça se comprend aussi parfois parce que voilà, à un certain moment, elle était super bien dans une dynamique, ça enchaînait les matchs, ça enchaînait les victoires et ça marquait beaucoup de buts par Bukayo Saka, Odegaard ou encore le joueur Smith Rowe. Mais on se rend compte simplement que sur les trois dernières sorties, les Gunners ont perdu leur pétard. C'est compliqué pour eux de pouvoir gagner des matchs. La dernière fois, c'est une défaite encore une fois. Et ce qui se dit au niveau de la perfide Albion, c'est on n'est pas en droit ou on n'est pas aussi content de voir Tottenham, le rival juré, passer devant les Gunners. Ils sont pas du tout d'accord à accepter un tel scénario. Mais attention, ça passe d'abord par le match face à Southampton. Il faut arriver à engranger des points et espérer pourquoi pas un faux pas ou des faux pas de Tottenham. C'est seulement à cette occasion là que Arsenal pourra espérer, pourquoi pas, accrocher le wagon de la Ligue européenne des champions. Voilà, ils ont encore deux matchs en retard, si je fais bien les comptes. Voilà, et Tottenham paraît très en forme ces derniers temps. C'est sûr que la lutte à distance va pouvoir continuer. La Liga nous accueille avec la 32e levée. Le Football Club Séville qui s'apprête à jouer contre le Real Madrid. C'est un match choc, il n'y a rien à dire. Le deuxième qui accueille le premier. Et quand on voit la trajectoire des deux équipes, le FC Séville qui, c'est vrai qu'à une certaine période, mordait de la poussière. C'était compliqué pour cette formation de pouvoir composter les matchs, avoir des victoires. C'était vraiment difficile. Mais toujours est-il que c'est une équipe très, très joueuse et qu'on ne doit pas du tout sous-estimer, quel que soit l'adversaire en face. Et donc, au Sanchez-Pizjuan, l'équipe de Julen Lopetegui va vouloir faire tout pour jouer un sale tour à son ancien club, le Real Madrid, qui est aussi en forme, qui est presque sur un nuage, qui joue un peu au miracle dans des matchs où forcément on ne l'attend pas. Voilà, Benzema aujourd'hui, meilleur buteur du championnat, va sûrement encore tout faire pour s'illustrer, encore pourquoi pas augmenter son compteur but. Mais attention, le faux pas est interdit au Real Madrid, parce que si derrière Séville gagne et que le Barça également gagne, alors l'étau va commencer à se resserrer et ça pourra jeter justement un certain froid sur les espoirs des socios madrilènes qui, en tout cas, rêvent de voir le Real Madrid encore soulever le Graal. Et donc, Carlo Ancelotti est prévenu parce que le FC Séville ne veut pas du tout se faire compter l'événement, parce que n'oublions pas, la deuxième place également est jouable entre les Sévillans et les Catalans. Voilà, donc à ce niveau-là, Séville ne veut pas du tout perdre du terrain. Je suis sûr qu'ils vont tout faire pour déranger cette équipe madrilène. Mais au finish, on sait très bien que les Merengues, la Casablanca, ont souvent un petit tour dans son sac, notamment avec Karim Benzema, ouais. Vinicius Junior ou encore Rodrigo, que sais-je encore. Ils sont capables de faire quelque chose. Mais attention, je le dis encore une fois, le Real Madrid doit se méfier de cette équipe du FC Séville. Voilà, méfiance surtout. Et que dire de la Bundesliga ? Nous sommes bien entendu en Allemagne. On parle du 30e acte entre Leverkusen et puis Leipzig. À une certaine période, lorsque vous êtes dans une très très bonne dynamique, c'est compliqué de vous faire bouger. Et aujourd'hui, sans langue de bois, on pourra affirmer que Leipzig est dans une forme extraordinaire, pimpante, qui peut faire envier n'importe quelle escouade du côté de l'Allemagne. Aujourd'hui, c'est une équipe qui cherche à tout prix à venir bousculer un peu la hiérarchie derrière le Bayern Munich. Pourquoi pas même shipper cette place-là au Borussia Dortmund, qui est pour le moment sur un courant alternatif. Et donc Leipzig va encore surfer sur cette bonne vague là, surtout avec cette belle qualification en demi-finale de la Ligue Europa. Christopher Nkunku n'a pas dit son dernier mot, mais aussi c'est un duel entre deux anciens formés au Paris Saint-Germain, ouais. Christopher Nkunku du côté de Leipzig et puis Moussa Diaby qui évolue du côté de Bayer Leverkusen. Donc au match aller, c'était un match super intéressant entre les deux formations, mais je me dis que le Bayer Leverkusen également n'a pas dit son dernier mot, même si c'est vrai, sur les dernières sorties, Leverkusen n'est pas aussi dans une palanquée d'occasions de but où c'est compliqué parfois, mais toujours est-il que les deux Français vont être scrutés à la loupe. Oui, Leverkusen à domicile peut faire l'affaire, mais je sens que Leipzig est
capable de faire un coup, de faire un coup, même si c'est 1-0, même si c'est 2-1, de pouvoir, pourquoi pas, damer le pied à cette équipe de Leverkusen, histoire, in fine, de mettre encore une fois la pression sur le Borussia Dortmund. Pourquoi pas ? Et le 33e épisode en Italie, la Serie A, la Spezia qui accueille l'Inter Milan. Petit à petit, on est en train de retrouver une équipe de l'Inter Milan qui retrouve du poil de la bête, qui retrouve le goût de la victoire. Est-ce que ça arrive au bon moment ? Je pense que oui, parce que nous sommes dans le dernier virage du Campionato. Et donc, les hommes de Giovanni, non, de plutôt Simone Inzaghi, sont en train de pouvoir régler beaucoup de choses. L'attaque recommence à marquer. Vous prenez le milieu de terrain avec Çalhanoğlu. Ça commence également commence, je pourrais dire, à rejouer et à adresser des postes, des passes décisives, notamment à l'endroit de Lautaro Martinez ou encore Dumfries, qui est ce latéral-là moderne qui est capable de monter et de créer une plus-value, sans oublier en tout cas la présence d'Edin Dzeko. Donc l'Inter Milan, normalement, en déplacement face à la Spezia, ça devrait passer, parce que quand vous prenez la masse salariale de tout le groupe, ça dépasse largement le budget de la Spezia. Donc ce sont des joueurs de qualité extraordinaire, même au-dessus de la moyenne, qui, normalement, même si on est en déplacement, ne doit pas avoir peur de cette équipe de la Spezia. C'est en gagnant face à n'importe quel club que l'on engrange de la confiance. Et plus on a de la confiance, on est capable de rencontrer n'importe quelle équipe en face. Pour moi, l'Inter Milan, certes tenant du titre, n'a pas encore dit son dernier mot en ce qui concerne la conquête du Scudetto. Et voilà la situation là-bas en Italie, ce match entre la Spezia et puis l'Inter Milan. La France, la Ligue 1, et l'on parle du 32e chapitre. Ce match qui divise, on va dire, un peu toute la France. C'est ce match entre le Paris Saint-Germain et puis l'Olympique de Marseille. Oui, il n'y a rien à dire. D'aucuns vous diront, tiens, bon, est-ce que ce match a encore un réel intérêt ? Moi, je dis oui, ça a toujours un intérêt parce qu'on parle du football français, on parle de deux clubs aux antipodes totalement différentes. Je veux parler du Paris Saint-Germain qui incarne beaucoup plus la bourgeoisie, le football bling-bling avec tout ce que vous avez comme investissement et autres. Et puis de l'autre côté, vous avez le football populaire ancré dans tout ce qu'on appelle le prolétariat et puis la passion dans le sang de fils, de père en fils et que sais-je encore. Je pense que le Paris Saint-Germain a le droit, a même le devoir, l'impérieux devoir de s'imposer face à Marseille. Oui, on ne le dira jamais assez. Le Paris Saint-Germain aujourd'hui n'a presque pas de concurrents, pas presque pas de rivaux dans cette ligue-là. Mais attention, le Paris Saint-Germain ne souhaiterait jamais perdre contre Marseille. PSG peut perdre face à Clermont, face à Lens, face à Nice, mais face à Marseille, c'est un tout autre match. Tous ceux qui, en tout cas dans la peau d'un joueur étranger, sont arrivés au Paris Saint-Germain, on leur a toujours parlé de cette grande rivalité qui existe depuis près de 50 ans entre les deux clubs. Et donc tous les joueurs, que ce soit Sergio Ramos, Neymar, Lionel Messi et tous les autres, ils savent à quoi s'attendre, même si le match a lieu au Parc. Mais c'est l'Olympique de Marseille qui est en face, qui ne va absolument rien lâcher. Aujourd'hui, c'est une équipe qui va bien, qui va même très bien, si je pourrais le dire. Ouais. Deuxième au classement de la Ligue 1, demi-finaliste de l'Europa Conference League. Moi, je pense que c'est quelque chose de magnifique pour Jorge Sampaoli, même si faut pas tomber tout de suite dans l'euphorie. Il faut aller faire un résultat du côté du Parc des Princes, parce que quand on jette un coup d'œil au classement, Marseille n'est pas seul dauphin. Il y a d'autres équipes également à deux voire trois points qui n'ont pas dit leur dernier mot, notamment Rennes, Nice ou encore Strasbourg. Et oui, le Paris Saint-Germain peut enchaîner d'autres victoires, mais la question qui reste posée, est-ce que le Marseille pourra faire la même chose ? Parce que n'oublions pas que voilà, à la fin, il y aura le Paris Saint-Germain champion qui sera dauphin et qui aura ce ticket-là pour la Ligue des champions, ma foi. Il y a un gros match déjà entre deux Argentins, notamment Sampaoli et puis Mauricio Pochettino. Voilà. Ils se connaissent très très bien. Et voilà, on attend de voir également la belle tape amicale entre Sampaoli et puis Lionel Messi. Donc voilà, autant d'ingrédients qui demandent à ce que ce match-là soit suivi par les férus du Paris Saint-Germain et les supporters de l'Olympique de Marseille. Voilà qui est dit. Ouais. Ça va jouer.
L'ambiance sera au rendez-vous forcément. Et voilà, on espère avoir un gros match entre les deux clubs, le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille. Et ça nous permet d'aller voir ailleurs, aux États-Unis plus précisément, la NBA. C'est le moment des playoffs. Ça va commencer, ce match entre les Clippers et puis les Pelicans. Oui, le match, c'est un match très attendu. N'oublions pas que la saison régulière, elle est bien terminée. On a joué près de 81, voire 83 matchs. Donc, pour chaque franchise, c'est l'heure désormais des playoffs. Et là, franchement parlant, ça joue à un niveau exceptionnel. Parce que là, ce sont les meilleures franchises hein, qui se sont qualifiées au niveau de la conférence Ouest, tout comme de la conférence Est, qui se retrouvent par un tirage au sort pour disputer ces matchs de playoffs. Clippers face aux Pelicans. La bonne nouvelle pour les Clippers, c'est que Paul George est en train de revenir petit à petit dans sa meilleure forme et ça pourra, pourquoi pas, aider cette équipe-là à aller de l'avant. La grosse tuile, c'est toujours la blessure de Kawhi Leonard. Depuis presque 2 ans, il n'est toujours pas revenu dans le groupe. Et je pense que c'est une grosse perte pour les Clippers qui se sont qualifiés in extremis hein, parce qu'ils ont dû jouer un play-in avant de pouvoir composter leur ticket pour les playoffs face aux Pelicans. Le match 1, oui, d'entrée, je pense que ce n'est pas souvent alarmant si l'on perd. Mais à partir du match 3, c'est compliqué. Donc, si les Clippers veulent aller loin, ils doivent ménager leur monture. Mais il n'y a pas aussi de certitude hein, dans cette franchise-là face aux Pelicans. C'est une équipe également qui est capable de vous faire voir de toutes les couleurs. Et que dire de ce duel entre Dallas et puis Utah ? Il y a un gros match entre deux stars de la NBA, Luka Doncic d'un côté et puis Rudy Gobert qui a déjà eu l'occasion d'avoir le titre de meilleur défenseur de la Ligue. Et donc ça doit vraiment jouer entre les deux, même si c'est vrai, Luka Doncic ne pourra pas être là pour le premier match. On lui a décelé une blessure au mollet et donc c'est compliqué pour lui de pouvoir être là, la star slovène des Mavericks. Et donc normalement Utah doit profiter de cette absence-là pour tout de suite marquer son territoire histoire de gagner un premier match avant un probable retour de la star Doncic. Et donc à partir de là on sait très bien que du côté de Utah, il y a certes Rudy Gobert, il y a d'autres joueurs également capables de sortir la tête de l'eau, dont la star également Donovan Mitchell qui est capable sur un match de vous mettre 40-50 points. De toutes les façons, on pourra dire que les playoffs s'annoncent super intéressants. Et puis ne pas oublier également ce match très attendu entre Brooklyn et Boston. Là, c'est un duo Kevin Durant et Kyrie Irving. Franchement parlant, quand on voit Kyrie Irving, c'est le meilleur dribbleur de la ligue. Et puis Kevin Durant, donc on pense que c'est LeBron James qui est le meilleur joueur du monde, mais moi je dis c'est Kevin Durant. Il est tellement clutch, c'est un joueur simple qui ne cherche pas à être dans la Starmania, mais lorsqu'il est sur le parquet, il est insaisissable. Et si ce duo-là marche très très bien, oui, ils peuvent pourquoi pas damer le pied à Boston, également amené par un joueur intéressant, c'est Jason Tatum, qu'on ne présente plus, qui est également un joueur très intéressant de la Ligue, de toutes les manières. Toutes les affiches des playoffs s'annoncent super intéressantes au niveau de la NBA. C'est ce qu'on aime, le spectacle dans le sport et surtout lorsqu'on aborde cette page européenne internationale. Angelo, on a fait le tour. Oui, Franck Lounyama, l'essentiel a été tout simplement ramassé. Excellent week-end, on va Merci, dire. Merci, à très bientôt. À très bientôt. On en a fini avec la page Europe et internationale. C'était avec Angelo Folicoé. Monsieur, merci. À très bientôt. Excellent week-end. On va parler basketball maintenant. Vous savez que depuis un moment, il y a un nouveau comité exécutif dirigé par Gina Adekambi en studio. Docteur Léontine Ntigué, elle est la vice-présidente de cette fédération. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour monsieur. Tout va bien ? Ça va. Comment vous sentez-vous depuis que vous avez pris, on va dire, la direction de la Fédération nationale de basket Togo ? À l'aise. Oui. Parce que nous avons de grands projets. Et ces projets dans lesquels nous croyons très très fort nous mettent... nous permettre d'être à l'aise et de dire que nous allons faire des grandes choses, transformer, renouveler, moderniser, enfin bref, remettre sur les rails notre basketball. Très bien. Il y avait un atelier la dernière fois avec les présidents de, on va dire, de clubs. Les présidents de clubs. Présidents de ligue, oui. Les présidents acteurs du basketball togolais. Très bien, on va écouter la présidente Gina Adekambi.
C'est un cadre de concertation qui permettra de rassembler tous les acteurs de la balle orange, plus précisément les présidents des clubs, à venir valider le plan d'action annuel. Le plan d'action, ce sont les activités inscrites dans l'année. On va dire que ce plan d'action, il est assez ambitieux, mais nous nous donnons le devoir de pouvoir le réaliser par la mobilisation de ressources. Il y a de grands axes, trois grands axes, le développement à la base, des compétitions des jeunes et puis les formations à l'endroit de tous les acteurs, que ce soit au niveau des présidents, qu'au niveau des entraîneurs et encadreurs et également au niveau des arbitres. La première activité, c'est la Coupe du 27 avril que nous voulons lancer en open pour pouvoir permettre aux équipes seniors de relancer les activités. Ça va démarrer le week-end prochain. On va le faire premièrement dans toutes les ligues, que ce soit dans le Septentrion, les Plateaux et les Maritimes. Et à Lomé, les meilleurs des équipes vont se retrouver en demi-finale à Lomé lors du 27 avril. Et puis, on va jouer la finale également le week-end qui suit. Et voilà, Gina Adekambi, présidente de la Fédération Nationale de Basketball Togo. Elle a parlé développement, compétition pour les jeunes, des formations. Alors, on parle de cet atelier. C'est quoi concrètement? Qu'est-ce que vous mettez dans ce plan, on va dire, biennal? Dans ce plan, il nous reste 2 ans, en fait. Mmh. C'est pour ça que vous dites biennale, oui. De 2022-2024. Mais notre plan est si ambitieux que je pense que 2 ans ne nous suffiront pas pour le réaliser. Mmh. Donc, on peut se dire que ce sera un plan qui durera plus longtemps. Mmh. On va dire biennale, mais quinquennale, peut-être. Si vous voyez le contenu du plan, en 2 ans, ça ne se réalisera pas. Pas tout à fait. Mmh. Donc, ça peut aller plus loin, quinquennal, disons. Voilà, avec tout ce que vous mettez et tout ce que le basket togolais a connu, c'est un peu un redémarrage. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un redémarrage, une redynamisation, une remise sur rail de notre basketball que le Covid a assommé. Complètement. Et ça n'a pas du tout arrangé les choses. Disons, avant Covid, on n'était pas en si bonne santé, mais le Covid nous a achevés. Et maintenant, il faut le ressusciter. Mmh. Il faut ressusciter notre basketball. Et cela passe par le développement du basketball à la base. Mmh. Et tout un programme. On ne serait pas tout de suite, efficient, on ne sera pas compétitif tout de suite. Il faut redémarrer notre basketball à la base. Et pour ça, on a besoin de tous les acteurs. La conférence des présidents était nécessaire dans le sens où ce sont les principaux acteurs et c'est eux qui nous ont élus. Nous avions le devoir de leur présenter notre programme et avoir leur accord pour pouvoir démarrer les choses. Si on vous donne l'occasion peut-être de donner les différentes ou bien les grandes lignes de ce plan, qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs? Alors, ce plan nous permet d'afficher clairement les valeurs, les objectifs, afin de mieux les partager avec les différents acteurs, surtout les présidents. Ce plan nous permet de favoriser l'innovation pour répondre à l'évolution de la discipline et des activités, de valoriser les actions que nous-mêmes nous allons réaliser, faciliter les demandes de financement et disposer d'un cadre d'action opérationnel facilitant la gestion des activités. Mmh. Voilà, il y a des objectifs derrière tout ça. Quand vous faites, vous donnez ces grandes lignes derrière, est-ce qu'il y a des objectifs? Il y a des objectifs, bien sûr qu'il y a des objectifs. Donc, il faut augmenter les nombres de clubs, les clubs affiliés à la fédération. Un grand rêve, participer au JO 2024. Oui, c'est dans 2 ans en France. C'est un grand rêve. C'est un grand rêve. Non. Donc, il faut restructurer et moderniser les clubs. Il faut restructurer l'organisation, la modernisation de nous-mêmes, de la fédération, avec une autonomisation. Il faut former les acteurs principaux de tous ceux qui participent à la vie du basketball togolais. Et augmenter
on peut dire, la compétitivité des clubs et développer les ligues, les clubs, développer les infrastructures, surtout. Alors, vous avez parlé modernisation des clubs, moderniser la gestion de la Fédération nationale de basket Togo. Tout cela demande des moyens. Aujourd'hui, on sait que cette fédération fait partie des fédérations pauvres qui n'ont pas beaucoup de moyens. Alors, tout cela, oui, vous comptez sur vos partenaires, c'est tout Mais il faut bien sûr réorganiser le financement du basketball. D'abord, compter sur Togocom, que je salue au passage, qui est notre sponsor officiel. Mais il faut faire appel à d'autres sponsors. Il faut faire appel à la diaspora. Il faut des commissions pour réorganiser, redemander, redynamiser et chercher du financement. Parce que nous n'allons pas attendre que les financements viennent. Les financements, c'est nous qui devons aller les chercher. Et bon, il y a des commissions qui travaillent. Il y a beaucoup de commissions à la fédération et des commissions qui travaillent pour aller chercher les financements nécessaires pour le fonctionnement, pour le bon fonctionnement de la fédération. Vous avez parlé d'un sponsor officiel. Voilà, on sait que cette société est derrière beaucoup de fédérations. Sponsor officiel, ce qui veut dire que oui, on met un peu les moyens, on met les paquets. On vous a promis combien par saison, par exemple? C'est 10 millions, 20 millions, 15 millions? Vous ne savez pas. Moi, personnellement, je pense que le Togocom nous accompagne, a toujours accompagné le basketball togolais avec un quota que je ne connais pas exactement. Ce qu'il nous promet ne peut pas nous suffire. Ce ne peut pas nous suffire pour nos rêves, pour développer ce que nous voulons faire. Donc, nous sommes obligés, de toute façon, de faire appel à d'autres sponsors. Pour l'instant, c'est lui qui est là. Mmh. Et c'est pour ça que, bon, je lui fais un clin d'œil. Mmh. Mais on est obligé de chercher ailleurs. On ne peut pas se contenter d'une seule personne pour pouvoir faire tout le travail que nous voulons faire. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous parlons avec Dr Léontine Ntigbé. Elle est la vice-présidente de la Fédération nationale de basketball de Togo. On va écouter Gina Adekambi sur un autre aspect après justement cette conférence avec les présidents. Les acteurs de la balle orange arrivaient à un moment dans le diagnostic lors de notre campagne. On a démontré que les acteurs ne sont pas concertés, pour les activités. Alors qu'une fédération, c'est les clubs qui la constituent en premier. Donc il faudrait quand même donner la voix pour que tout le monde valide, que tout le monde soit au même niveau d'information, pour que nous ne soyons pas surpris des activités qui vont se réaliser tout au long de l'année. Premièrement, développer le basketball, faire du basketball un fer de lance, et puis revenir sur le plan international à tous les niveaux. Il faut dire aux gens que le basketball togolais est de retour. Le basketball togolais est de retour. Votre principale infrastructure, ce n'est plus forcément ça. Au municipal, le tartan, tout ce qu'il y a là-bas est en train, je ne sais pas... Est délabré. Voilà. Il faut dire le mot. Parce que je crois que vous êtes en train de vouloir nous ménager. Non, ce n'est pas forcément ça. Il faut dire le mot, notre terrain soi-disant principal est délabré, complètement délabré. Donc ça c'est un peu... Ça vous pose problème? Énormément. Et pour les compétitions à venir, par exemple, la Coupe de l'Indépendance? Nous devons chercher les terrains qui sont les mieux praticables actuellement à Lomé et dans le pays. Puisque la Coupe de l'Indépendance va débuter dans les régions avant d'avoir une finale à Lomé. Donc, on va se contenter actuellement des infrastructures que nous avons. Et vous voyez, en voyant le terrain d'Omnisport, on voit un peu l'urgence de la chose et le marasme dans lequel nous nous trouvons. Mais nous allons relever le défi. Oui, la finale va se disputer là-bas? La finale va se disputer à Lomé.
On n'a pas dit que la finale va se disputer au stade municipal, Omnisport, mais la finale va se disputer à Lomé. Je crois qu'il y a, à Lomé des terrains périphériques, qui sont en meilleur état que le le terrain Omnisport. Mais ce sera sur du ciment. Il n'y a pas de tartan sur les terrains dont vous parlez. Il n'y a pas de tartan sur les terrains dont je parle parce que c'est le seul terrain avec un tartan au Togo. Donc c'est malheureux à dire, mais nous avons été quand même un pays de basketball. Et la dégradation des structures de tout le basketball est malheureux. Mais nous sommes là pour justement relever le défi et restructurer les choses. À qui la faute si les infrastructures sont aussi délabrées, s'il n'y a pas d'infrastructures pour pratiquer le sport qu'on aime, la faute est à qui? La faute est à qui? Écoutez, je pense que... Je vous ai dit tout à l'heure que le Covid nous a mis à mort. Le délabrement ne dépend pas forcément de la COVID. Oui, quand on n'utilise pas quelque chose aussi, quand vous n'habitez pas dans une maison, ça se fissure. Et c'est vrai qu'on n'a pas tellement entretenu ce terrain. Et on n'a pas mis les moyens depuis des années et des années pour qu'on ait un terrain potable, valable pour les compétitions. Donc, à qui la faute? Je ne peux pas dire que c'est la faute de ceux qui nous ont précédés, mais quand même, quelque part, c'est la faute de tout le basketball togolais. On a laissé aller les choses, on a laissé se délabrer les choses. Vous ne voulez pas parler de l'État? Les infrastructures, quand même, c'est l'État qui les met à disposition. C'est l'État qui les met à disposition, mais l'État togolais n'investit pas dans autre chose que... n'investit pas suffisamment dans les autres sports par rapport au football. Donc l'investissement qu'on reçoit au basketball ne nous suffit pas pour pouvoir faire des grandes réalisations. Mais je peux vous dire quand même que la politique du gouvernement est en train de changer. Le ministère des Sports est en train de mettre les bouchées doubles pour revaloriser les principaux sports, et puis, entre autres, le basketball, entre autres. Donc, nous comptons aussi sur l'État pour nous aider, mais ça ne suffira certainement pas pour le plan, le plan ambitieux qu'on a. Ça ne suffira certainement pas. C'est pour ça qu'il faut qu'on aille chercher des financements ailleurs. C'est vrai que c'est l'État qui doit... mettre les infrastructures, mais dans d'autres pays, il n'y a pas que l'État, il y a les grandes sociétés, il y a les sociétés qui aident à construire les infrastructures, il y a les villes, les mairies, il y a tout le monde met la main à la pâte pour pouvoir faire de bonnes choses. Donc il faut peut-être, il faut que les gens prennent conscience du fait que notre retard, tout le monde doit participer à nous remettre debout. On ne peut pas demander à l'État seul de faire les choses. Les grandes sociétés sont là aussi pour nous aider. Très bien. On va écouter Robert Ajavon sur ce que va être la Coupe de l'Indépendance. Nous voulons déjà lancer ça à partir du 18 avril. D'abord, il va y avoir une phase éliminatoire au niveau des ligues. Nous avons situé 4 zones, Lomé, la Ligue maritime, Plateau, la Ligue septentrionale. Et chaque ligue va essayer de regrouper toutes les formations, hein. Quel que soit le niveau, de la D2 ou D1, on les regroupe parce que c'est une coupe nationale pour jouer des phases éliminatoires et puis nous sortir les champions de chaque zone. Ils ont commencé quand même à avoir déjà une pépinière des filles, donc ça promet. D'ici peu, on va avoir des équipes seniors dames à l'intérieur, mais ça va être seulement calomé au niveau des dames. On va avoir les champions de chaque zone, ce qui fera qu'on aura le champion du Nord, champion de la région Plateau, champion maritime, champion Lomé, de cette phase éliminatoire, qui vont jouer les demi-finales avec les 4 aussi meilleurs équipe féminine de Lomé pour jouer les demi-finales. On programme ça entre le 6 et le 7 mai pour jouer la demi-finale finale de la Coupe du Togo à Lomé. Robert Ajavon, Edem Bonheur, bonjour.
Bonjour Franck, bonjour Sport FM, excellent week-end Pascal à tous. Tout va bien. Ça va. Vous avez écouté Dr Léontine Tibé qui est la vice-présidente de la Fédération Nationale de Basketball Togo. Pour redémarrer les activités, il y a cette Coupe de l'Indépendance qu'ils mettent en place. Tout de suite, sans langue de bois, sans adoucissement ou sans faire le culte de la personnalité, il faut dire que Mme Gina Adekambi, avant les élections, est porteuse d'un projet ambitieux et les phrases beaucoup plus utilisées dans sa phase de campagne, c'est redonner vie à ce basketball togolais, c'est le renouveau du basketball togolais, c'est le basketball à la base. Après ces élections, même s'il faut reconnaître qu'elle a déjoué tous les pronostics face à M. Conrad Dabovi, après cette élection, le 18 décembre 2021, il y a aussi cette cérémonie de passation de pouvoir entre elle et puis M. André Gungu. J'ai eu beaucoup d'inquiétudes après. Je me disais... Elle est porteuse d'un projet ambitieux, d'un projet attractif pour la balle orange togolaise. Mais après cette cérémonie de passation de service entre André Bivaina Gougou et puis Mme Gina Adekambi, ça a été un peu le silence. Janvier, février, mars, avril, je me disais, tiens, qu'est-ce qui se passe? Oui. Et donc, c'est des préoccupations que j'ai eues à l'époque. Je me disais, si elle a tellement envie de redonner quand même vie à ce basketball togolais, passer 3 mois sans activité, sans assises, il y a un problème quelque part. Mais comme on le dit souvent, j'ai été... un peu surpris par rapport à la dernière assise, la conférence des présidents de club. Je pense que Mme Gina Adekambi aujourd'hui est adepte de Jean de La Fontaine qui dit souvent que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et donc, c'est une preuve que derrière, avec tout son bureau, on réfléchit par rapport à comment il faut redonner vie à ce basketball togolais. Il ne faut pas rapidement commencer et puis être... Voilà, de quoi et être bloqué et, en... Tout à fait. D'abord, il faut une réflexion. Voilà. Il faut une réflexion. Après les élections, il faut s'asseoir, réfléchir, programmer, planifier et ne pas se lancer, commencer à courir pour aller où quand on n'a pas projeté où on veut aller. Voilà, vous comprenez que cette assise est la bienvenue. Et dans toute chose, il faut la planification. C'est ce qui est important. Et moi, je me dis qu'à un moment donné, le basketball du Togo a besoin de toutes ses forces. Et la dernière fois, j'ai été surpris de voir M. Zessa Javon, André Bivaina, et puis Tony Dalmeida. Tout le Togo était là. Voilà. Tout le basketball togolais était là. Voilà. Donc, vous comprenez que c'est une touche particulière que Gina Adekambi apporte quand même on va dire au renouveau du basketball togolais. Il faut sortir de la routine de ce qui se fait. Il faut impliquer tout le monde, tous les acteurs. Il faut une gestion inclusive pour avancer. C'est ce que fait Mme Gina Adekambi. Il faut l'encourager, il faut le féliciter. Maintenant, on attend véritablement le démarrage des coupes. On parle de la Coupe du 27 avril, la Coupe de l'Indépendance. Pour quand même remettre le basketball sur... Il faut bien commencer quelque part. Voilà. Et moi, je pense que c'est un championnat même en miniature. C'est tout le Togo qui est impliqué. Ce n'est pas une Coupe de l'Indépendance de Lomé. Voilà. Mais ce qui reste aussi, c'est les moyens. Vous l'avez souligné entre temps. On peut avoir toutes les volontés possibles. Si on n'a pas les moyens, on est freiné quelque part. Mais connaissant Mme Gina, vous savez qu'elle organise un événement, la légende. La légende chaque année. Voilà, elle mobilise assez de moyens pour cet événement. J'espère qu'elle va utiliser quand même ses connaissances, son agenda son carnet d'adresses pour apporter quand même plus de financement au basketball du Togo. Cet aspect justement ne vous fait pas peur parce que d'autres sont passés, c'est toujours la question du nerf de la guerre, l'argent. C'est vrai, mais quand on ne va pas provoquer les choses, on ne les a pas. L'argent, il faut aller le chercher. L'argent ne va pas venir à nous comme ça. Les autres n'ont pas cherché. Tout dépend.
Vous savez, nous avons un rêve. Nous allons mettre les moyens nécessaires pour réaliser notre rêve. Et ce rêve, on ne veut pas savoir, on ne veut pas se dire qu'on ne peut pas y arriver. On utilisera tous les moyens qu'il faut pour le réaliser. Et donc, non, ça ne nous fait pas peur. Vouloir, c'est pouvoir, dit-on. Vouloir, c'est pouvoir. C'est ça, et vous savez, on a cette hargne. Je ne sais pas, toute l'équipe, tout le monde a envie de s'investir dans notre basketball. Et nous avons une vision. Nous avons une vision. Quand on rêve, il faut d'abord rêver avant de réaliser. Et nous avons un rêve. Et nous savons que nous allons réaliser nos rêves. Très bien, on vous souhaite beaucoup de courage parce que sur le terrain, ça n'a pas été toujours facile, mais on verra très bien avec Gina Adekambi qui connaît bien le terrain. Elle a été joueuse, elle connaît bien les problèmes du basket. Donc voilà, on espère qu'elle va apporter quelque chose. On va faire un petit jeu, j'allais dire, quiz avec vous. Souvent, c'est ce que nous faisons avec nos invités avant de les laisser partir. Madame ou bien docteur Léontine Tigbé, radio ou télé? Radio. Radio ou télé? En fait, je vais vous dire franchement, je ne regarde pas beaucoup la télé. Donc, c'est la radio. C'est la radio, disons. WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram? Disons WhatsApp. Et en fait, mon métier ne me permet pas tellement d'être sur les réseaux sociaux parce que les malades encombrent tout ce que je peux, prennent tout le temps que je peux utiliser pour faire d'autres choses. Mais bon, je dirais WhatsApp. Ouais, si l'occasion vous était donnée de porter un chapeau ou une casquette, que préférez-vous? Casquette. La casquette. Voilà. La casquette. Oui. Habitude vestimentaire, on est en africaine ou voilà, européenne. En tout. Là, vous me voyez en sportive. Jean, t-shirt, manches longues, voilà, tout ce qui tourne autour. En sportive, tout. Je me mets en africaine aussi et en européenne. Ouais. Enfin, voilà. Le plat préféré? Mon plat préféré, j'aime beaucoup le foufou. Je suis de Palimé, donc j'adore le foufou. Très bien. King Mensa ou Toufane? Toufane. Myriam Makeba, Bella Bello? Ouh là, le choix est un peu plus difficile. J'adore toutes les deux. J'adore toutes les deux. Ce sont deux grandes dames que l'Afrique a perdues. Je dirais Bella Bello, puisque pour être au Togo. Voilà, quelle est votre personnalité référence, celle à qui vous voulez peut-être ressembler? À moi-même. Quel est le projet que vous portez le plus dans votre cœur? Vous vous dites, ce projet, je dois le réaliser. Alors, actuellement, le projet que je porte le plus dans mon cœur, c'est le projet de la Fédération togolaise de basketball. Parce que nous devons réaliser ce projet. Très bien. Voiture ou moto? Voiture. Marche ou jogging? Je marche énormément. Lecture, voyage, entre les deux, que préférez-vous? Les deux. Je lis beaucoup, je lis énormément. J'adore voyager aussi. Mais bon, disons la lecture, puisque c'est plus facile à faire. À part le basketball, quel est le sport qui vous passionne? Oui. À part le basketball, bon, avant de venir au basketball, j'ai beaucoup fait l'athlétisme. J'ai joué au volley. C'est les deux. Bon, avant le basket, c'est l'athlétisme. Très bien, docteur Léontine Ntigbé. Alors, que voulez-vous dire avant de partir? Avant de partir, j'aimerais bien qu'on cesse de rester frileux et de se dire qu'on ne va pas trouver les moyens de faire les choses. Quand on ne se lance pas, on ne peut pas sauter. Il faut se lancer et il faut voir grand, il faut voir loin. Pour pouvoir réaliser tout ce qu'on veut. Il faut rêver et ne pas se dire non, on n'a pas les moyens. Non, on n'a pas les moyens. Non, on n'a pas les. À force de ne pas avoir les moyens, on ne les aura jamais. Donc,
il faut rêver. Et tous, on peut réaliser les rêves. Un peu comme le Paris Saint-Germain rêve en grand. Voilà. Docteur Léontine Ntigbé, merci d'être venue à la vice-présidente de la Fédération nationale de basketball Togo. Beaucoup de courage à vous et à très bientôt. Sport FM vous reçoit quand vous voulez, comme vous voulez. À bientôt. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir invités. Merci d'être à nos côtés parce que les médias sont vraiment à nos côtés. Et merci à vous. Nous le faisons toujours. À très bientôt. Voilà, de l'athlétisme aussi ce matin. Latif Yoruma, bonjour. Oui, bonjour Franck, bonjour auditeurs de Radio Sport FM. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Oui, actuellement en direct donc, du stade de Kiké, où se tient en tout cas une compétition dénommée Meeting de la PAC. Vous savez, nous sommes le week-end passé et 17 épreuves hein, pratiquement pour en tout cas une journée pleine avec plusieurs athlètes, un nombre conséquent. Les compétitions ou bien les épreuves ont démarré depuis 7h30 et nous sommes avec le président de la Ligue Lomé Golf d'athlétisme. Alors, il s'agit de Mensah Gavor Edem. Président, bonjour. Bonjour, cher ami. Alors, pourquoi une compétition avoir dénommé, en tout cas, meeting de la PAC? Merci, mais comme vous l'avez déjà dit, nous sommes dans la période pascale. Donc, nous avons pensé organiser ce meeting. En fait, ça fait partie du programme que nous avons déjà annoncé pendant le lancement qui s'est passé le 19 mars. Donc, nous avons promis et nous avons voulu continuer ce programme-là. Et c'est pour préparer les athlètes pour le championnat de la Ligue qui est prévu en juin. Donc, nous préparons les athlètes pour la mise en forme et aussi pour qu'ils soient à un niveau de compétition acceptable. D'accord. Alors, quel est l'habillage que vous donnez à ce meeting? Qu'est-ce qui va se faire si on veut aller beaucoup plus en détail, M. le Président? Ah oui, bah, écoutez, c'est un meeting comme pour les autres. Donc, nous avons quand même regroupé 150 athlètes à travers les différentes disciplines. Nous avons à peu près 17 disciplines aujourd'hui. Donc, c'est pour faire compétir les athlètes dans ces différentes disciplines qu'on n'a pas vraiment eu le temps de le faire pendant le lancement. Donc, maintenant, c'est les entraînements et aussi les choses sérieuses ont commencé. Donc, les athlètes doivent quand même avoir l'esprit qu'ils doivent se préparer pour pouvoir affronter les grands défis. Donc, ce meeting, c'est juste l'annonciation. C'est pour permettre aux athlètes vraiment de rentrer dans les compétitions et se préparer pour, non seulement pour le championnat aussi, mais aussi pour les compétitions qui ont déjà démarré. Et nous pensons que nous allons placer les athlètes pour y arriver. Ah, il y a eu déjà des courses. Vous êtes à côté de l'atelier qui, en tout cas, fait le saut en hauteur. Je sais que vous êtes un ancien. Sauteur, qu'est-ce qu'on peut déjà dire du comportement des athlètes ce matin? Les athlètes, ils ont quand même démontré leur performance. Et effectivement, comme c'est le début de la saison, donc il y a quand même un rythme, je dirais, assez timide. Mais on espère qu'avec les compétitions que nous avons pour partir, ça permettra aux athlètes de rehausser un petit peu leur niveau. Concernant les compétitions de ce matin, effectivement, quelques disciplines, y compris le saut en hauteur. Donc, actuellement, la barre est à 1m70 avec deux athlètes qui sont toujours en course. Donc, on espère qu'au moins le premier va franchir au moins 1m80 et on verra la suite. Mais l'après-midi sera cette demi-journée, c'est pour les demi-finales et c'est l'après-midi à partir de 14h30 qu'on aura la finale des différentes disciplines. Donc, il y a aussi encore toute une série de compétitions qu'on verra dans l'après-midi. Voilà, par anticipation, peut-être pour conclure, vous avez peut-être autre chose à dire et puis une question juste derrière ce meeting. Qu'est-ce qu'il y aura avant le championnat de la Ligue? Ok, avant le championnat de la Ligue, on a prévu encore deux meetings. D'abord, le meeting de regroupement, où on fera, en collaboration avec le centre ADC, parce que c'est qui s'occupe des grands athlètes à travers l'Afrique de l'Ouest. Donc, nous avons pensé faire une compétition avec les athlètes de ce centre. Et c'est le centre de regroupement, la compétition de regroupement. Et aussi, on aura une autre compétition pour les athlètes pour la participation du championnat de la Ligue. Donc, ça se fera vers le début du mois
de juin et le regroupement avec le centre AACD se fera au cours du mois de mai. Voilà, donc, Franck Nouyama, c'était le président donc, de la Ligue Lomé Golf d'athlétisme. Merci d'avoir ébranlé la crème, hein, en tout cas, des athlètes togolais, bien sûr, bien présents ici. Nous avons vu Salim Baoumadom, le meilleur lanceur, en tout cas, du Togo et puis de la sous-région, qui est arrivé également. Puisqu'il s'agit de la Ligue Lomé Golf, c'est la plus grande ligue de toutes les ligues, donc, contre la Fédération Togolaise d'athlétisme. Voilà donc ce qu'on peut peut-être vous dire de ce qui se passe ici. C'est parti donc pour toutes les journées, puisque derrière, c'est que suivi donc. Des récompenses sont prévues autour de 17h35. Très bien, Latif Yoruma. Revenez dès qu'il y a du nouveau, ou bien vers la fin de cette émission, on va pouvoir comprendre ce qu'il se passe. Alors, merci, à très très bientôt, Latif Yoruma. Voilà, depuis pour le meeting de la PAC organisé par la Ligue d'athlétisme de Lomé. Entre-temps, Florent Kataka est en studio, est arrivé. Bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs. Tout va bien ? Oui, tout va bien. Voilà, c'est lui le président de Zafoot et puis administrateur du centre Swallows. Voilà, puisqu'on a parlé de Pâques, il y aura du judo aussi. Théo, on va passer Maître Agbodo d'abord avant les autres. Voilà, il y a un tournoi de la Pâques aussi au niveau du judo. Il n'y a pas que l'athlétisme. Nous allons écouter Maître Agbodo Yao. Quand on parle de judo, c'est toujours dans un dojo. Pâques au dojo, pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord, en ma qualité d'entraîneur national de la Fédération togolaise de judo, c'est vrai que quand on vous appelle comme ça et qu'on vous dit il y a un tournoi dans tel pays, il faut envoyer une liste. Souvent, c'est difficile parce que les fédérations n'ayant pas suffisamment de moyens, on organise très peu des compétitions. Alors, ce qu'il fallait faire, c'est d'inciter les clubs à avoir chacun au moins un tournoi. Nous-mêmes, on commence chez nous. Cette fois-ci, on demanderait également aux autres de faire l'effort de créer des tournois. Si nous sommes 10 clubs et que chacun fait un tournoi dans l'année, ça veut dire que ça fait 10 mois sur 12, on aura au moins 10 tournois. Ce qui va faciliter la tâche à l'entraîneur que je suis de pouvoir produire une liste dès que le comité, dont mon président est le président du comité national olympique, M. Delay Damakbaki, quand on va me demander cela, ça sera plus facile pour moi de fournir une liste. C'est le premier aspect. Le second aspect, c'est que notre club fêtera ses 15 ans le 16 prochain et on voulait vraiment marquer la journée par un tournoi, parce que nous faisons aussi beaucoup dans le judo à l'école, au niveau des petits-enfants. Le club, donc, c'est ? Le Lyon Judo Club. Ça marche ? Oui, ça va. Voilà, Maître Agbodo, entraîneur national, ceinture noire, 4e dan à l'instant. Donc, tournoi au dojo, ou bien pas qu'au dojo. Ça commence aujourd'hui même. Et on va parler maintenant de la Fédération togolaise de tir à l'arc qui a outillé les journalistes la dernière fois. On va écouter M. Amédé Niato, vice-président de cette fédération. Nous sommes organisés aujourd'hui pour cette formation parce que c'est une discipline sportive qui n'est pas connue du peuple togolais. Ça fait plus d'une dizaine d'années que nous avons créé cette fédération. Par manque de moyens, nous n'arrivons pas à vulgariser ce sport. Avec l'avènement de la ministre des Sports et des Loisirs qui a subventionné toutes les disciplines sportives dans le pays, ça nous a propulsé à organiser cet événement. Parler sur le tir à l'arc, comment ça se déroule, permettre aux journalistes de nous relayer sur l'étendue du pays. Le tir à l'arc, je dirais que c'est un sport d'adresse, de précision et de concentration dans lequel les compétiteurs qu'on appelle chez nous les archers tentent de tirer dans la cible que nous appelons blason. Voilà, messieurs, Amédé Niato, vice-président de la Fédération togolaise de tir à l'arc. Le directeur sportif du CNO Togo y était aussi, Victor Lamega. Le sport a besoin des journalistes et les journalistes aussi ont besoin du sport. La matière première des journalistes, c'est le sport, surtout les journalistes sportifs. En matière de promotion et de développement du sport, on ne peut pas s'en passer des journalistes. À partir du moment où beaucoup de sports ne sont pas connus, on a besoin des journalistes pour
vulgariser, faire connaître ces disciplines sportives. Pour cela, il faudrait que les journalistes sportifs soient bien outillés, soient bien formés pour pouvoir faire une large diffusion des notions de base dans ces différentes disciplines sportives. Elle est à saluer. C'est une fédération qui vient de renaître. La fédération de tir à l'arc existait depuis près de 10 ans. Elle est restée inactive avec l'arrivée du nouveau bureau conduit par Madame Alassi. On a vu que cette fédération essaie de faire de son mieux, a déjà commencé ses activités en s'intéressant aux journalistes. C'est une bonne chose. Le tir à l'arc n'est pas connu de tout le monde. Ce n'est pas une discipline facile à connaître et c'est une bonne initiative à encourager. Et nous les félicitons par rapport à ce projet. Victor Lamega, directeur sportif du CNO Togo, interrogé par Angelo Folicoé, de même que M. Amédé Niatto, vice-présidente de la Fédération togolaise de tir à l'arc. La présidente, bonjour au passage, Sylvestre Alassi. On a parlé tir à l'arc. Voilà, on va apprendre à le faire. C'est un sport pas très connu, ils ont raison. Et Théo, on va marquer la pause. On revient pour parler de la 14e et dernière journée de la phase régulière de la D2. Voilà, après, on va dire, une trêve pratiquement d'un mois, on est revenu pour boucler la phase régulière de la D2 nationale de football au niveau des deux groupes. C'était avec la 14e et dernière journée de cette phase régulière dans le groupe A. Vous connaissez ceux qui ont réussi à avoir les tickets pour la suite de la compétition, les play-offs ou bien la phase finale. C'est Étoile Filante, c'est Tambo, c'est Espoir. De l'autre côté, dans le groupe B, c'est bien Doumbé de Mango, Fouadan ou encore Koroki. Eux, ils ont réussi à avoir leur ticket deux journées avant la fin de la phase régulière. Florent Kataka, y a-t-il une surprise à vos yeux lorsqu'on prend les deux groupes? Non, pas du tout. La DD comme la première division et comme dans le football moderne aujourd'hui, ceux qui osent, ceux qui investissent le plus, je pourrais dire malheureusement, hein, parce que l'aspect sportif, il est certes important, il prend encore une grosse part de volonté ou bien de velléités, mais l'aspect financier aussi compte. Mmh. Ceux qui investissent le plus, ceux qui mettent beaucoup de sous, ceux qui motivent les joueurs. Les joueurs, ils ont envie d'être dans de bonnes conditions. Le joueur, il peut être bon n'importe comment. Si vous ne le mettez pas dans de bonnes conditions, s'il n'a pas de salaire régulier, s'il n'est pas bien payé, et lui-même, esprit, il ne donnera pas le meilleur de lui-même. Il ne donnera pas le meilleur de lui-même parce qu'il a besoin de ça. C'est une sorte de boostage, de ce qui lui permet donc de transcender donc son énergie pour porter l'équipe. Mmh. Et d'abord, c'est en même temps lié aussi à l'envie et à l'amour qu'il a pour cette équipe. On ne peut pas être attaché à quelque chose qui est un peu parfois dérisoire ou bien qui n'émule pas, qui ne porte pas. Voilà. Et donc, si vous voyez les joueurs souvent motivés, c'est qu'ils sont dans de bonnes conditions. Donc Fouadan, Doumbé, Koroki, Étoile, Tambo, Espoir, ceux-là, ils ont motivé leurs joueurs, c'est ça? Oui. Très bien, on va prendre le chemin de Kara, certainement, qui accueille, ce sera demain, Guelair Inoussa, qui se trouve au niveau du Septentrion pour nous donner les nouvelles, l'actualité dans cette partie du pays. Guelair Inoussa, bonjour. Bonjour Franck Nounyama, bonjour aux fidèles auditeurs de Sport FM, surtout nous suivre, même au-delà de nos frontières. Avec le 3W Radio Sport FMTG, vous êtes sur notre site. Et puis, ça passe en commentaire. Ceux qui sont à l'étranger nous disent que nous faisons un travail extraordinaire. Je vois hier, l'ancien président de Côte à Côte de la Vie dit, je vis Sport FM, je mange Sport FM et je me réveille Sport FM en Allemagne. Mmh. Franck Nounyama, bonjour. Bonjour. Voilà, l'actualité, on la connaît. On commence par quoi? Non, je crois que vous pouvez commencer par là où vous voulez. On va aller du bas ou bien vers le haut, ou bien on donne directement l'information qui concerne la J2 des play-offs du championnat national de football de première division. Demain, ça serait un grand derby dans la Cosa. Le face-à-face va opposer conducteur face au contenant. Ça sera évalué, mais avec violence, facteur zéro, c'est des frères. Ils vont jouer ce match. Comme ils ont souvent l'habitude de le dire, s'il y a un derby abidjanais, un derby lonéen, ce n'est pas un derby de la Cosa qui va peut-être échapper à la règle. La SCK reçoit l'ASCO Football Club de Cara. Quand j'ai vu le nom du commissaire, je me suis dit que c'est un officier de
de la police nationale, tout va se dérouler dans de bonnes conditions. C'est notre souhait le plus ardent demain. Il faut que les supporters nous montrent pas à plus B, qu'ils savent le football. C'est pourquoi la ville de Kara a deux équipes. Par rapport à la suite, il y a l'AS Bina, les cornes de notre frère et ami Jules Assima, qui seront actuellement en route pour Lomé, pour y affronter l'AS Togo Football Club de Lomé. Franck Nouyama, tiens-toi bien. J'ai vu l'AS Togo jouer contre la Côte de Kara. J'ai vu l'AS Togo jouer contre l'AS Eka Football Club de Kara. Il faut qu'on se dise, puis l'entraîneur Brahimi et puis Soukouna, son adjoint, ne mettent pas une autre stratégie en place. Ils vont jouer contre une équipe accrocheuse, une équipe très athlétique, une équipe qui va vite. Ils peuvent demander à Megan Didier, tu peux y arriver, il y a de cela un mois, poussière, et ils menaient 1-0, croyant faire le chemin. Et finalement, en 15 minutes, il a coulé 3-1 face au Sobol. Quand l'AS de Gopor doit revoir son système de jeu, sinon, attention, les protégés de Wadia Lantam arrivent à Lomé avec repartir à Pagoda avec la victoire des 3 points, Franck Nouyama. Oui, que dire après la fin de la phase régulière de la D2 dans la zone nord là-bas? On sait que c'est Koroki, Doumbé et puis, que dire, Fouadan. Oui, mais je crois que là, rapidement, je vous l'avais dit le week-end dernier, qu'on connaît le haut du tableau, mais c'est le bas du tableau où tout doit se jouer. Et finalement, cela a été clair et net. Nous attendons la confirmation de la Fédération togolaise de football par rapport au classement officiel. Si pour Bounja Football Club de Ketao, cette équipe de Ketao est renvoyée à ses chères études, c'est-à-dire que cette équipe de Bounja ira jouer en 3e division l'année prochaine. Mais pour le haut du tableau, nous avons Fouadan, Koroki Metete Football Club de Tchamba, ainsi que Doumbé Football Club de Mango. Pour les trois, selon la réaction de Nyeni Kapuizotou qui a perdu le dernier match face à Agri-Kente Football Club de Bassa, 3-1, il s'est dit, nous avons passé en revue l'équipe, mais nous allons maintenant attaquer, contre-attaquer maintenant pour les play-offs. Pour Koroki Metete, c'est de retourner en première division la saison prochaine. Pour Doumbé, la même chose. Pour Ayukoro à la route de Fouadan, c'est toujours le même slogan, mais dans la zone sud. C'est qu'il y aura match tel qu'on a vu les équipes de la zone nord. Attention, attention, surtout que l'équation peut être 2 au sud, 0 au nord, ou 2 au nord, 0 au sud, où ça peut se partager une équipe au sud, une équipe au nord. Entre les trois équations, on verra les équipes qui pourront vraiment être au top. Mais il faut se dire que ça va se jouer jusqu'au bout avec un grand facteur zéro, avec des arbitres aussi de top. Il ne faudra pas que quand une équipe va perdre un match, ou qu'on dise l'arbitre en est pour quelque chose, Franck Nouyama. Merci, Gueuler Inoussa. Autre chose à ajouter? Autrement, salut. Autre, oui. Voilà. Bon, vous savez qu'à l'intérieur du pays, les choses se déroulent normalement. Il y a eu une finale de la Coupe des U15 dans le district de la Cosa, comme on vous l'avait dit. Plusieurs équipes U15 ont démarré cette compétition depuis le début de la semaine. Et finalement, la finale a eu lieu hier. Et c'est FJ, futur joueur international, qui bat l'étoile du matin sur la marque de 4-0 en finale. C'était hier à Evala Stadium, sous les yeux du maire de la commune Cosa 1, Paou Badi, qui était président de la Football Club de Kara, en présence aussi de El Hadji Amar Marcelin, shérif, qui est actuellement président de la Ligue de Kara, ainsi que le président du district, Jobo Akleto, et tout le monde est venu voir ces petits développer un football rationnel et propre. L'avenir promet. Pourquoi? Je voudrais quand même revenir, parce que ça fera du bien au niveau de la Cosa. Quand on avait dans le temps l'Asco de Kara, qui jouait avec beaucoup de joueurs nigériens, beaucoup de joueurs ghanéens, autant de voilà Bernard et Jaïdé, quand Asco ou Maranatha avaient match, vous savez, ces étrangers, ils viennent nous troubler notre sommeil. Ils se disent, à la veille d'un grand match, Maïmouda Dead, Awiri Tamba, before président. Tu es obligé de le financer quelque chose pour qu'il puisse peut-être jouer le match avant de partir. Si on commence avec les U15, les U20, je crois que d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, on aura des joueurs pour pouvoir étoffer nos équipes. Très bien. Oui, Chaudo, oui, on va aller vite, on va terminer, oui. Je crois que là, c'est la coupe de mise en jambe. Et cet après-midi, sous le coup de 14h, on suivra Espoir d'Agoulou qui va jouer contre Olise de Tawanda. Et à 16h, un fumant duel opposant Taoudjo Soka Academy face à l'Académie Solim, un derby des académies sous le coup de 16h à Zokoré. Franck Nouyama, le rendez-vous est pris pour demain sous le coup de 15h à
Dakar dans ce derby. ASK Asco en direct avec vous depuis 40 mai, une fabulaire. À très bientôt. Voilà, on parlait de la 14e et dernière journée de la D2, de la phase régulière naturellement. On va saluer Chéri Adioubli qui est arrivé. Bonjour. Bonjour Franck, bonjour confrères autour du plateau et bonjour aux auditeurs. Tout va bien ? À la Togolaise. Voilà, alors on va continuer. Edem Bounor, oui, lorsque vous regardez un peu les classements, ou bien ceux qui sont qualifiés et ceux qui sont au bas de tableau dans les deux poules, c'est ce qui est attendu. L'étoile, Tambo, Espoir, groupe A, et puis Fouadan, Doumbé et Koroki, groupe B. Dans la zone septentrionale, je pense qu'avant l'ultime journée, les jeux étaient faits. Oui, on connaissait beaucoup plus les trois équipes qualifiées pour les playoffs, Fouadan, Djoumbé et puis Koroki Metété de Tchamba. Quand on fait un peu un retour sur le début de la compétition, je pense que ce sont les trois équipes qui ont été un peu plus constantes dans leur performance, dans la production de jeux et puis dans les résultats. C'est beaucoup plus au niveau du bas du tableau que le suspense était là entre CDF Aknour et puis Bounja de Keta, quelle équipe allait descendre en deuxième division. À la fin, je pense que CDF Aknour sauve sa saison en battant Djoubé 3-2, si je ne me trompe pas. Oui, et c'est puis, ça. De l'autre côté, Bounja avec ce résultat nul face à Fouadan qui est condamné à rejoindre la deuxième division. Troisième, hein. La troisième division, ouais. La troisième division. Attention. La troisième division. Est-ce qu'il va y avoir descente? Je ne sais même pas. Pourquoi? En réalité, les règlements sont clairs. À la fin, il y a une équipe de chaque zone qui descend en deuxième division. On ne peut pas modifier les règlements en pleine compétition. On a dit qu'à la fin, il y aura une équipe dans chaque zone qui va descendre en deuxième division. Alors, troisième. J'ai tout avec deuxième division aujourd'hui. Voilà, ça veut dire qu'il n'y aura pas descente. Voilà, donc Bounja qui descend en troisième division, c'est difficile de voir cette équipe être reléguée. Ouais. Mais c'est ça aussi la beauté du football. Parfois, il faut un vainqueur, il faut un vaincu. Au niveau de la poule A de la zone sud, je crois que c'est les décisions des commissions juridictionnelles qui ont beaucoup plus chamboulé les choses parce qu'il y avait un suspense beaucoup plus entre Arabia, Agaza et Espoir, même Tambo. Oui. Espoir qui a bénéficié de 6 points. Si pour moi, il a pris 3 points gratuitement sur un certain nombre de choses, beaucoup plus sur cette histoire de carton jaune, parce qu'il y a eu une situation qui s'est posée à la 8e journée. Le club a joué la 9e journée, la 10e journée, la 11e journée, et c'est Espoir qui joue la 12e journée qui bénéficie de ce point. Pour moi, quelque part, il y a une injustice. Là où s'est posé le problème, c'est là-bas qu'il faut le régler. Si JCA, qui avait joué la 8e journée, ne pouvait pas bénéficier, c'est le club qui a joué la 9e journée qui devait prendre ce point. Malheureusement, c'est jusqu'à la 12e journée que Espoir bénéficie de ce point. Après, il y a aussi cette affaire de fraude sur identité. Entre Maranatha et Arabia. Ça montre aujourd'hui qu'on prend des décisions à la tête du client. Le même problème s'est posé avec Maranatha et Ange. On a vu comment on a tranché. C'est la même situation aujourd'hui qui s'est posée entre Arabia et puis Maranatha de Fiorpor. On a une autre décision. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, au niveau des commissions juridictionnelles, on prend des décisions à la tête du client. Dommage pour Arabia qui n'a pas un ancien premier ministre. C'est dommage pour... Premier ministre a pesé dans cette décision. Je pense qu'Arabia aujourd'hui n'a pas un ancien premier ministre. Voilà. Mais donc, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il a pesé? Arabia ne pèse pas devant la commission juridictionnelle. Voilà, Arabia ne pèse pas. Il faut avoir le courage de le dire. Arabia ne pèse pas. Ange pèse plus que Arabia. Et donc forcément, on a vu Arabia, on a dit, tu es petit. Donc on a tranché. Voilà, donc c'est à la tête du client que ça se fait. Donc pour moi, c'est dommage. Donc il faut encourager quand même les trois équipes qui ont réussi à engranger des points et à obtenir leur ticket pour la phase des playoffs. Tambo, Étoile Filante et puis Espoir. On espère vivre des playoffs alléchants. On va écouter l'entraîneur de l'Étoile Filante, Ben Tété Adjakpa. C'est un sentiment de satisfaction parce qu'on a bien commencé. Les deux dernières journées, nous les avons perdues.
Donc faire encore une troisième défaite d'affilée, je pense que ce serait très très mal vu d'abord par nos supporters qui sont très très exigeants et par même le public sportif, voire les journalistes que vous êtes. Donc il fallait quand même faire un match sérieux. On l'a fait et on a mis un but. Félicitations, joueurs. Vous savez, aujourd'hui, il faut mettre la pression aussi sur les anti-Guillaume titulaires. Il faut qu'ils sachent qu'aujourd'hui, il y a de la concurrence, qu'ils doivent travailler dur parce que c'est une nouvelle phase qui est en train d'arriver. Donc, tout le monde doit être en jambes pour qu'on puisse quand même avoir une équipe assez compétitive pour aborder le prochain tour. Pour aborder le prochain tour, voilà, le jour-là, Étoile Filante a battu la Jeunesse Club d'Agouin 0 sur un but de Diamabadi après avoir connu deux défaites. On va écouter Agbé Trobou de la Ligue de la JCA. Nous avions fait des entraînements par intermittence pendant deux semaines. Les enfants n'étaient pas à l'entraînement. Donc, il y a intérêt qu'ils soient fatigués vers la fin de la partie. Donc, ce n'est pas de leur faute. C'est une faute de la nature. Ils ne sont pas inefficaces. Ils sont un peu fébriles à l'approche des buts. C'est des gars qui font leur première saison, leur première année d'expérience. Ça ne peut pas venir tout de suite. Il faut leur laisser le temps. Comme je l'ai dit tantôt, la moisson pour mûrir a besoin de l'arroser. Ils attendent l'arroser. Voilà, Agbé Trobou Delali. Le football est fabuleux. Alors, on va continuer pour vous dire que Maranatha a sauvé sa saison. Le club de Fiorco a fait un but partout le jour-là face à l'US Agbandia Takpamé. L'entraîneur, oui, de cette équipe, Yenke Kodjo. En partant, c'est eux qui avaient la pression. Une fois qu'ils avaient la pression, moi, on les laisse faire. On les attend, ils viennent. Et en première partie, ça n'a pas payé. Mais vous avez en deuxième partie le but que nous avons réussi. Il s'est tous monté. Hein. Alors, c'est stratégiquement qu'on a pris. Contre-attaque, bien sûr. Sur contre-attaque, on savait que ça devait arriver. Mais quand, on ne savait pas. Heureusement qu'on aurait pu marquer deux ou trois autres, hein, de la même manière. Tout à fait. Mais bon, ben, comme c'est l'habitude des footballeurs togolais, cacher les occasions, on n'a pas dérougé la règle. On a encore raté. Mais bon, dans l'ensemble, on est maintenu, c'était l'essentiel. Oui, vous pensez continuer toujours avec Maranatha de Fiorco la saison prochaine? Non, je ne pense pas. Je suis allé faire une pige, hein, une pige juste pour la dernière journée pour parce dernière que bon, mais l'entraîneur n'était pas là. Voilà Yenke Kodjo qui est allé aider, on va dire, Maranatha de Fiorco pour cette dernière journée de la phase régulière. Une interview réalisé par Touré à Simio. Et on va écouter le président de ce club, Gabriel Améi, qui reste satisfait. Nous avons vraiment un sentiment de joie. Surtout, le match a été vraiment un match très, très dur. Et nous avions quand même pu contenir et jusqu'à ce score un but partout. Vous savez, quand Dieu fait grâce, c'est qu'il fait grâce. Et quand il dit oui, c'est qu'il a dit oui. Et le non ne répond plus quand Dieu dit oui. Donc moi, je crois que ce soir, Dieu a dit oui. Maranatha doit être maintenu. Et je pense que c'est chose faite. On ne peut que remercier le Tout-Puissant, le Seigneur. Nous devons rester plus que soudés et surtout refaire l'équipe afin que la prochaine saison puisse aller mieux. Voilà, Gabriel Améi, le président de Maranatha. Maranatha qui sauve justement sa saison. Et il y a d'autres réactions après le nul entre Tambo et Espoir, deux clubs qui vont pouvoir participer aux play-offs. Nous écoutons Tony Agbessi, coach de Tambo. Notre objectif premier, c'est d'abord de se qualifier pour les play-offs et ensuite d'attaquer l'autre phase, la montée. Je pense que ce soir, c'est une grande satisfaction pour nous. Surtout que nous avons besoin que d'un seul point. Mais fort heureusement, j'ai vu que mes poulains ils se sont dédonnés sur la pelouse. Et on a su vraiment profiter des premières occasions de but. On pouvait en mettre beaucoup plus. Mais vous savez, quand vous avez besoin que d'un seul point et que vous menez l'équipe adverse, il ne faut plus aller vers l'avant quand vous encaissez but. Il faut tout refaire. Maintenant, je pense que c'est l'adversaire qui a su profiter de son temps fort pour vraiment égalisé. Nous, derrière, on a su gérer, on a joué la carte de la prudence et bon, on s'en sort avec un match nul et c'est une victoire d'étape pour nous. Et Tony Agbessi, entraîneur de Tambo, après le match contre Espoir. Et justement, Espoir, le match analysé ici par Bonfo Arimiao.
l'enjeu vraiment au finish a tué le jeu, mais il le fallait. Parce que là, Tambo, tout comme nous, savions que l'équipe qui va perdre n'irait pas au play-off. Donc le match a été beaucoup plus tactique. C'est vrai, contre le cours du jeu, nous avons encaissé et on a couru toute la première partie derrière l'égalisation. Et on n'a pas pu vendanger des occasions. En deuxième partie, on s'est créé encore beaucoup d'occasions. Mais au finish, nous avons marqué, c'était l'essentiel de rentrer dans les playoffs. Je crois quand même que ça fait plaisir. Alors, après l'égalisation, vous avez décidé de faire circuler le ballon. Oui, tout à fait. Il le fallait parce qu'on n'avait plus rien à perdre. Donc, il fallait le faire prendre du plaisir à jouer ce que nous avons toujours pris l'habitude de faire. C'est vrai qu'en première partie, ça ne nous a pas réussi. On n'a pas pu vraiment poser, faire circuler, vu l'enjeu du match. Et bon, c'est des jeunes, il faut les comprendre. Mais quand nous avons égalisé, ça nous a libérés et nous a permis de vraiment poser, faire circuler le ballon. Bonsoir Rimiao, coach de Espoir du GIO et le président de Tambo, Michel Amétodi, qui réagit par rapport au play-off. Tambo est qualifié pour le play-off, c'est une chose, mais mes enfants n'ont pas joué comme il le faut. Sinon, le match était vraiment abordable. Nous devions mettre beaucoup de buts, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont fatigué dans les 15 dernières minutes, je ne sais pas ce qui s'est passé. Sinon, cette qualification, quand même, c'est une chose qui est intéressante. Et maintenant, on doit se préparer pour le play-off. Voilà, justement, après donc, cette phase régulière, comment comptez-vous préparer les play-offs, là, président? Moi, je crois que la condition physique manque à nos joueurs. Le petit temps qu'on va nous donner, on va essayer d'améliorer la condition physique de nos enfants. L'objectif reste la montée, président? Ouais, ça reste, puisque toute équipe qui est en play-off, son objectif, c'est la montée. Michel Amétodi, président de Tambo de Dacia, les Flèches Pimentées. Chéria Diogblé, beaucoup pensent qu'au niveau de ce groupe A, la déception, la plus grosse déception, c'est bien à Gaza. Vous avez vu ça aussi ou bien bon, c'était attendu que Gaza ne serait pas dans les playoffs. Déception à Gaza, c'est peut-être que par rapport à l'histoire de ce club, c'est peut-être par rapport à la nostalgie que les uns et les autres ont de ce club-là. Sinon, le début de la saison, si vous voyez l'effectif d'Agaza, vous suivez les premières prestations d'Agaza et vous êtes un observateur avisé, vous vous direz que cette formation, quand même, elle n'a pas l'effectif pour pouvoir aller peut-être titiller le haut du tableau. Et c'est ce qui a été. Donc, moi, personnellement, je ne parlerai pas de déception en vue de ce que je dis par rapport à l'effectif, par rapport au jeu produit. Ce n'est pas une déception pour moi. À Gaza serait peut-être dans les trois premiers que moi, je serais plutôt surpris. Parce que cette équipe, elle avait tellement du mal à produire du jeu. J'ai vu deux ou trois matchs d'Agaza au cours de la saison. J'étais complètement déçu. Donc moi, ce n'est pas une surprise pour que Agaza ne puisse pas monter. C'est quoi finalement? On s'y attendait. C'est moi, une logique. Particulièrement, la logique par rapport à la réalité. Maintenant, quand on parle de l'histoire, c'est un club qui, normalement, peut-être ne doit pas être en deuxième division, doit être en première division. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on va surfer sur l'histoire? Est-ce qu'on va surfer sur ce qui est déjà passé? Non. La réalité est là. Nous sommes en 2022. On joue le championnat en 2022. Il faut faire avec les réalités du moment. Et pour moi, par rapport aux réalités du moment, Agaza est à sa place tout simplement. Agaza est à sa place. D'autres réactions? Après la 14e et dernière journée de la phase régulière, on va donner justement la parole à Agboubli et à Mavi Ataï, qui fait partie de l'encadrement technique des Verts de Tourcoing. On a joué, on a gagné. Ça ne suffit pas. On voulait aller au play-off, mais on n'a pas beaucoup de regrets. Un championnat, ce n'est pas un coup de malade. Ça se joue. On n'a pas voulu commencer vite. Mais c'est à la fin qu'on s'est réveillé. Mais c'est trop tard. Je peux rien dire concernant le bilan du club à Gaza. Gaza, c'est un grand club. Nous allons retourner à la maison pour faire des recrutements pour reprendre la saison à venir. On peut dire quelque part que la saison n'a pas été bien préparée. Les joueurs n'étaient pas là pour vous comme il faut. Non, on peut dire que la saison a été bien préparée. On a bien commencé à démarrer avec le coach Yenke. Et puis après, il est mis à l'écart et on a continué le travail toujours dans le même sens. Mais c'est le football, c'est la chance qui prévaut, pas de chance. Donc on va l'accepter sportivement.
On va l'accepter sportivement. Je sais que ce n'est pas facile pour Agbobliya, Mavi Ataï de voir encore à Gaza rester en deuxième division. Et voilà, c'est difficile. Dans la zone au nord, on a Toroki qualifié. Et nous allons écouter Nini Kaku Isotou. Nous avons bien voulu finir en beauté. Mais il s'est fait que depuis un certain temps, il y a eu un relâchement au niveau des joueurs, compte tenu du temps qu'on nous a donné pour la reprise. Donc ça fait que c'est une semaine que nous nous sommes préparés pour arriver ici. C'est aussi vrai que nous avons beaucoup, sinon la majorité, qui ont fait le carême. Donc c'est leur premier match. Vous allez voir que c'est en deuxième partie, tout est arrivé. Là, il n'y a pas d'erreur à commettre. C'est gagner tous les matchs pour être champion. Et c'est le souci premier du Koraké. La montée en première division. Voilà, c'est clair du côté de Koraké. En face, c'était Wakil Koubadja de Bikinti. On a terminé en toute beauté. C'est vrai, on a gagné la dernière journée. Néanmoins, on n'a pas été qualifié pour le play-off. Et ce n'est pas grave, c'est le football. Donc, je peux dire qu'on vient de terminer. On va aller réfléchir et penser comment jouer la saison prochaine, s'il faut avoir toujours le même objectif ou pas. Et concernant le jeu, si vous me permettez, je peux dire que nous avons essayé, nous avons multiplié beaucoup de choses à l'entraînement pour pouvoir gagner ce match, parce que la fin de toute chose annonce le début de la nouvelle. Wakil Koubadja, Bikinti, voilà, ça va commencer certainement bientôt pour les playoffs au niveau de la deuxième division. Voulez-vous mouiller un tout petit peu? Qui a la faveur pour devenir champion peut-être? Quelqu'un veut essayer? Étoile, Florent, bien évidemment, Étoile. Finance. Étoile, c'est vrai? Tambo aussi a de vraies velléités. Je pense que les équipes du Sud vont beaucoup plus... jouer donc le Jomoni à la tête donc de ces playoffs là, je pense bien. Et bien que du côté nord, je vois pas beaucoup. Vous ne voyez pas Fouadan, ni Koroki, ni Doumbé. Je vois plutôt espoir et j'ai rien contre ces équipes. Bon, donc je dis plutôt que Doumbé, pas vraiment. Très bien. Je vois espoir et puis étoile filante. Étoile filante. Vous, Edem? Bon, je mets beaucoup de doutes par rapport à... Je dis plutôt Tambo et étoile filante. Voilà. Je mets beaucoup de doutes sur étoile filante. Mmh. Vous savez, c'est une équipe sur les dernières sorties n'a pas vraiment rassuré. Et est-ce que ce n'est pas parce qu'ils étaient déjà... ils savaient que oui, ça va être fait? Non. En réalité, ces 3 ou 4 derniers matchs devront servir aussi à faire une revue d'effectifs et à se préparer en même temps pour les... Oui, quand vous faites une revue d'effectifs, il y a une défaite au bout. Pour moi, ça veut dire que vous n'avez pas une profondeur de banc. Oui. Quand vous faites une revue d'effectifs, ça veut dire que ceux qui sont au banc doivent être capables aussi de jouer comme les titulaires. Oui, mais les titulaires peuvent perdre et puis les remplaçants aussi peuvent perdre. Les titulaires, à un moment donné, gagnent. Jusqu'à ce qu'on fasse cette revue d'effectifs et à la fin, vous avez vu qu'on a perdu, il y a eu 2 défaites d'enchaînées et 2 revers enchaînés. C'est par rapport à la 14e journée où on a battu JCR. Donc, c'est pour dire, si on veut aller loin dans une compétition, ceux qui sont au banc, les remplaçants, doivent aussi être, je ne sais pas, doivent être, la qualité des remplaçants doit être pratiquement la même que les titulaires. Sinon, on ne peut pas aller loin dans une compétition. Imaginez que en pleine compétition, vous avez peut-être des absences par rapport au carton ou des blessures. Et ce qui arrive, comment est-ce que ces joueurs vont se produire par rapport au jeu, par rapport aux résultats et tout? Voilà pourquoi il dit, quand on veut faire une revue de fait type par rapport à un recrutement et tout, il faut prendre en compte tout cela. Vous ne voyez pas étoile filante. Au Togo, on a l'habitude de prendre peut-être 13 ou 14 bons joueurs. Et à la fin, on complète seulement l'effectif. Non, si on a une vision... un objectif, ceux qui sont aussi sur le banc doivent être meilleurs par rapport à ceux qui sont sur... Il faut voir aussi ce qu'il y a en face. Parce que eux, ils ont la profondeur de banc. C'est une compétition, une équipe qui joue contre une autre. Bon, personnellement, je ne... Et puis, on suppose que c'est les titulaires qui vont jouer, c'est pas les remplaçants qui vont jouer. Imaginez, vous ne voyez pas l'étoile filante, vous voyez qui... Ça reste avant tout un jeu. Oui.
Moi, je pense que les clubs du Nord peuvent créer la surprise parce qu'on n'a pas eu beaucoup l'habitude de voir leur jeu et tout. Ouais. Ils viendront comme ça parce que Etoile Filant peut-être n'a pas eu une idée sur Fouadan, sur Djoumbé, sur Koroki. Mais je pense que ces équipes-là peuvent créer la surprise. Mmh. Et donc, il faut faire extrêmement attention par rapport aux équipes qui sont qualifiées au niveau de la zone Nord. Tambo. Tambo aussi, pour moi, en réalité, Tambo devrait être au-dessus de tout le monde par rapport à ce qu'il a réalisé la saison dernière jusqu'à sans peine même, c'est pratiquement aux portes de la qualification en première division qu'ils ont échoué. Donc Tambo devait rester sur cette dynamique, mais on a été un peu déçu du parcours en phase de poule. Maintenant, c'est une autre compétition qui commence en 10 journées. Il va falloir chercher ce ticket pour aller en première division. Juste une petite parenthèse, c'est par rapport à Gaza. Ouais. Pour moi, il y a un problème au niveau de la communication des clubs aujourd'hui. Depuis un certain moment, on se demandait où est passé Yenke Claude. Quand vous approchez les dirigeants, vous dites qu'il est souffrant, qu'il est ceci. Mais on a été surpris que lors de la dernière journée, Yenke Claude se retrouve sur le banc de Maranatha de Fiokpo. Il faisait une pige. On dit qu'il est souffrant. Oui. Bon, quelqu'un qui est souffrant se retrouve entraîneur d'un autre club. Mais s'il n'est plus entraîneur, si vous l'avez remercié, dites-le. On ne va pas vous tuer, c'est votre club. Très bien. C'est la même chose qui s'est posée avec Asko de Kara, avec Ametokodo. On dit non, il est toujours en contrat, il collabore toujours avec le club. Aujourd'hui, est-ce que Ametokodo collabore encore avec Asko? Non. Si le coach n'est plus en collaboration avec un club, on le dit. C'est aussi ça, la bonne communication. C'est aussi simple que ça. Chérie Adjoglé, bon, l'amateurisme, quand ça nous tient, tout simplement. C'est ce que je vais répondre à... Qui voyez-vous pour s'imposer à... Le football togolais réserve tellement de surprises. Outre l'aspect terrain, il y a aussi le football d'autres togolais paramètres. Qui se joue ailleurs. Donc aujourd'hui, se jeter à l'eau par rapport à des pronostics. Tout simplement, comme il le dit, il y a des équipes qui ont des noms. Mais par rapport à la formule, après les phases de poule, les dés sont jetés, on fait table rase de tout ce qui s'est passé. C'est une autre compétition qui commence. Encore qu'il y a des équipes qui ne se sont pas affrontées, notamment les équipes du Sud et celles du Nord qui ne se sont jamais affrontées. C'est maintenant qu'elles vont se découvrir. Cela voudrait dire que c'est à 50-50 pour tout le monde. Donc aujourd'hui, moi, je me dis tout simplement que la balance, c'est plus du côté du Nord parce que là, il y a plus de tranquillité. Les clubs comme l'Étoile Filante et Consort, oui, qui ont quand même montré quelque chose sur l'aspect terrain. Mais tout autour, l'atmosphère, c'est pas une certaine sérénité tout autour de ces clubs-là. La pression des supporters et tout, on se dit déjà, surtout par rapport au parcours en face de poule, on se dit déjà, on a la tête déjà en première division. Et tous ces aspects-là peuvent jouer contre ces clubs-là. Et je me dis tout simplement que bon... On attendra, et difficile quand même de mettre quand même une pièce sur une X ou Y. Voilà. La première division est de retour après un mois de trêve là-bas aussi. Pour beaucoup d'entraîneurs, ils nous ont coupé le rythme. On n'a pas compris ce report. Voilà, certaines des réactions. Par exemple, Bawabako a dit autour de ce plateau qu'il n'a pas compris ce report. Et d'autres également. On nous a fait mal en arrêtant le championnat. Mais c'est de retour désormais. Demain, on aura les trois matchs. Ce match entre AS Togo Port et AS Bina. Le derby de la Cosa entre ASK et puis Asco de Kara. Et puis ce match entre Gomido et Dito à Palimé. Match très attendu. On va écouter quelques réactions par rapport à cette deuxième journée des playoffs. D'abord, on va commencer par Bawabako qui joue contre Gomido à Palimé. Les playoffs sont lancés maintenant. On va cas par cas. Et on sera à Palimé. Ce n'est pas un gros morceau. Qui vient de perdre à Kara, ça va être très, très, très difficile à Palimé. Oui, justement. Ce qui veut dire que c'est un autre match qui vous attend là-bas. Bon, nous, on ne se met pas la pression. Si on a la victoire, on la prend. Si on ne l'a pas, on la laisse. L'objectif du Dynamique Togolais, quand je dis le mot. L'objectif, c'est d'être dans le top 2, les deux premiers. Vous voulez être champion du Togo? Champion ou vice-champion, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous voulez, coach? Quand je veux jouer le continental, c'est tout. Apparemment, il y a deux places. Je vis d'une place. Si ce n'est pas possible, bon, je me remercie au Dieu. Vice-champion et champion, c'est la même chose aux yeux de Bawabako. Alors, être champion et vice-champion, c'est pas la même chose. Hein.
C'est pas la même chose, coach. Je suis sûr qu'ils sont en route pour Palimé, aller chercher ce match contre Gomido demain. Gomido qui a perdu lors de la première journée face à une valeureuse équipe de l'AS Bina. Et Dito avait gagné face à l'AS CK ici à Lomé. Donc c'est un match important pour déjà peut-être prendre de la distance ou bien voilà. Et en face, ce sera pas en face, il y aura ce match entre l'AS CK et puis Asco. Mani Ougadia. C'est un match comme tous les autres, c'est un championnat. C'est les trois points qui comptent. On a eu une défaite, on doit tout faire pour que prochainement on ait les trois points. Vous êtes sûr de gagner ce match-là dans la mesure où on sait que le derby de la Cosa tourne souvent, termine par un résultat amical là. Le football n'est pas mathématique, mon frère. Donc, on va essayer de tout donner pour avoir les trois points. Donc, c'est qu'on va se battre jusqu'à la fin du match. Et, Inch'Allah, on va avoir les trois points. On va se battre pour ça. On va se battre pour ça, Mani Ougadia. Voilà, le frère de quelqu'un, vous écoutez, vous entendez la voix, ça se ressemble. Hein. Florent Kataka, voilà, lorsqu'on commence les play-offs et puis patatras, il y a eu cette coupure et qu'on revient un mois plus tard, beaucoup disent que oui, il y a quelque chose qui va manquer dans voilà, ces matchs, dans les matchs de ce week-end parce que le rythme a un tout petit peu perdu là. C'est vrai ? L'amateurisme quand tu nous tiens, chéri à Djoblé. Ah, c'est ça? Je le cite en fait. Je ouais. pense que oui, c'était incompréhensible. On parlait de regroupement de l'équipe nationale, alors que tout le monde sait que c'est lorsque vous avez une équipe, je ne sais pas si je me trompe, qui a au moins 3-4 absences, c'est à cette équipe de demander un report. Cela ne pousse pas à ce qu'on bloque carrément le championnat. On reporte les matchs de ce club, pas le championnat. Pas le championnat, voilà. Donc, mais bon, je ne sais pas, peut-être que les responsables des compétitions, notre ami Pafio Dobou, pourra peut-être nous expliquer les vraies raisons. Sinon, c'est vrai que ça a handicapé beaucoup d'équipes parce que c'est une sorte d'élan. C'est quand vous êtes là-dedans et après on vous dit « bon, ok, reposez-vous ». Et on a eu beaucoup de joueurs aussi, effectivement, qui ont été appelés dans les différentes équipes nationales, fatigués ou pas, revenus, dans quelles conditions. Tout cela va jouer. Très bien, on revient à vous. Oui, Latif est en ligne pour ce meeting de la PAC. En quelques mots, qu'est-ce qu'il se passe encore ? Oui, ben, Franck, nous, Niama, c'est en fait la première demi-journée, puisqu'il y a deux demi-journées, la fin donc de la première demi-journée avec plusieurs courses qui ont été donc disputées. Il y a eu des finales directes, il y a eu en tout cas des qualifications pour des finales également dans l'après-midi. On résume tout cela avec le secrétaire général de la Ligue, le Golf d'athlétisme, Alidou Fousséli. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Effectivement, nous avons commencé notre compétition de ce jour, appelée meeting de la PAC. Et pour ce matin, nous avons fait 800 mètres femmes, 800 mètres hommes, longueur, disque homme-femme, 400 mètres femmes, 400 mètres hommes, 200 mètres femmes, 200 mètres hommes, hauteur, hommes et femmes aussi, 100 mètres haies, 110 mètres haies. Relais 4x100, relais 4x100 hommes et femmes. Et nous avons terminé à 10h et que pour la première partie, c'est-à-dire le matin, session du matin, et il nous reste deux épreuves pour l'après-midi. Et justement, dans l'après-midi, on aura quoi? On aura quelle finale? On aura quelle épreuve? Dans l'après-midi, nous aurons 100 mètres femmes série, 100 mètres hommes série aussi, javero hommes femmes. Plus haut, 400 mètres femmes, 400 mètres hommes, 5000 mètres femmes, poids hommes et 5000 mètres hommes aussi, 200 mètres finales femmes, 200 mètres hommes finales, 400 mètres femmes, 400 mètres hommes, 1500 mètres femmes, 1500 mètres hommes finales, 100 mètres femmes finales, 100 mètres hommes finales aussi et enfin, relais 4x400 et relais 4x400, les deux hommes et femmes. Et nous terminons à 17h50 s'il faut. Est-ce qu'on peut dire rapidement pour finir que tout se passe bien? Dieu merci, tout se passe bien, tout ça va, tout est bon pour le moment. Voilà, donc, Franck, nous avons plusieurs épreuves d'être ici,
évoqué par le secrétaire général. Enfin, donc, de la première demi-journée à la deuxième demi-journée, forcément, c'est pour l'après-midi. On va dire que c'est un mini-championnat, hein, parce que vous savez, c'est la plus grande ligue, hein, donc, de sept ligues que compte la fédération. On dirait championnat, même si on sait que les championnats nationaux, souvent, c'est deux jours ou trois jours, mais pour ce meeting, une seule journée avec plusieurs disciplines. Voilà donc ce qu'on pourra dire pour cette première demi-journée. Merci Latifi Rouma, à très très bientôt. Vous avez terminé sur... Oui, très bien. On a dit juste que c'est une incongruité. Bon, voilà. Non. On va espérer que les équipes aussi ne sont pas restées voilà, attentistes ou sans rien faire. Qu'il y avait des possibilités peut-être de continuer les entraînements, de revoir un peu les tactiques de jeu et pourquoi pas se préparer. Ça peut être bénéfique si les équipes ont su véritablement utiliser donc ce créneau-là pour se relancer. Oui, ça peut agir, ça peut casser le rythme. Vous savez, moi, j'ai du mal à comprendre ce qu'on veut de ce football-là. D'abord, quand on se pose la question sur l'objectif, la finalité du championnat, on ne la trouve pas, dans un premier temps. Maintenant, après, la formule, on fait de poules. Quand on sait qu'après les phases de poules, on jouera un mini-championnat. Les équipes du Nord qui viennent affronter les équipes du Sud. Si tant est que les équipes vont se croiser. Autant jouer le championnat autant classique. Autant jouer le championnat classique pour donner de la matière, pour donner de la compétitivité aux joueurs. Un joueur... Non, il y a Covid. Écoutez. Mais il y a toujours Covid. Est-ce qu'officiellement on a déclaré Covid? En mini-championnat, il n'y a pas Covid. Donc, si on fait le championnat voilà, au départ, de façon classique... C'est paradoxal. Bon, c'est paradoxal. Franck. Et puis... Ça se passe comme ça. Un joueur qui joue peut-être pour une première phase, 7 journées, et c'est la trêve. En 5 journées, peut-être c'est à partir de la 5e journée que le joueur commence pas à avoir de la compétitivité, et 2 journées après, ça s'estompe. Après, il revient, il reprend le rythme. 7 journées, c'est pour certains, le championnat est fini. Maintenant, pour ceux-là qui vont continuer, quand on est dirigeant, quand on est président, quand on conduit ce football, on doit savoir que pour les équipes nationales, les joueurs doivent avoir du rythme. Vous avez programmé peut-être parler des équipes nationales. Vous allez voir les prestations qu'on sort. Qu'est-ce qu'on veut pour ce football-là? C'est de l'incongruité, comme il a dit tout simplement. Très bien, on n'arrive pas à comprendre. Oui. À vos yeux, Edem Boulor, oui. Florent l'a dit, il y aura forcément... cette situation va forcément handicaper les clubs. Vous savez que beaucoup étaient sur un élan. Je prends par exemple le club de l'Espina qui a gagné Gomido lors de la première journée. Si ce championnat continuait, forcément, l'Espina pouvait... continuer sur ce rythme aujourd'hui avec cette pause d'une trentaine de jours. Je pense que tout est à refaire carrément au niveau des clubs. Ceux qui n'ont pas un budget conséquent ne pourront pas aussi entretenir leurs joueurs sur cette période. Vous êtes d'accord avec moi, à part Asco qui forcément aujourd'hui en termes de finances est un poids lourd. Les autres, Asbina par exemple, regardez. Donc, c'est une situation qui va handicaper le club. Maintenant, c'est aussi la fédération qui décide. Nous, on est là pour constater, pour faire des analyses. Mais je crois que les dés sont peut-être pipés aujourd'hui avec cette situation. Personnellement, je le pense. Parce qu'on ne va pas jouer sur un vrai rythme avec ce championnat. Quand on commence une compétition, la première journée, et puis on fait une pause de 30 jours, plus même, avant de reprendre la compétition, vaut mieux laisser aller au stage d'Antalya, faire le stage de quoi, Algérie, et commencer la compétition. Alors, quand vous prenez d'abord même la première programmation, le championnat était... le 30 mars. Ça veut dire qu'on a pris en compte même le stage des éperviers locaux. Donc, sur un coup de tête, on prend une décision qu'on reporte le championnat, peut-être pour faire plaisir à quelqu'un dans le bureau, moi je ne sais pas trop. On verra forcément le rendement des équipes à partir de demain. Vous prenez par exemple ce match à Asco-SK.
J'espère que ASEC a pu récupérer quand même ses joueurs blessés après cette pause, parce qu'on savait que face au Dynamique Togolais, ils ont eu beaucoup de forfaits. Maintenant, contre ASCO, vous savez, depuis deux saisons, c'est des clubs qui n'arrivent pas vraiment à se départager. Beaucoup de résultats nuls. Je pense que c'est sur une finale du championnat que ça s'est joué au tir au but. À part ça, c'est des résultats nuls. Mais cette fois-ci, il va falloir que quelqu'un gagne pour montrer quand même la suprématie au niveau du Septentrion. N'oubliez pas qu'ils vont se retrouver encore le 27 avril pour la finale de la Coupe de l'Indépendance. Ouais. Donc, on attendra de voir le rendement des six formations pour ces playoffs. Voilà, on va pouvoir marquer une petite pause et on revient parler de la sélection des dames. Ensuite, les cadets, les U20 et, voilà, et le stade de Kégué. On verra. Merci, on va parler très rapidement des dames, des éperviers dames qui sont qualifiées pour la CAN des dames à venir au Maroc. C'est du 2 au 23 juillet prochain. Voilà, on se prépare. Mais le championnat de la catégorie ici a du mal à démarrer. On parle de mise au vert soit en Tunisie, soit au Maroc. Voilà, un stage de, j'allais dire, 10 jours vient de commencer, Chéria Djoblé. Oui, on est dans le rythme. Le championnat n'a pas commencé. Oui. En réalité, ce sont le championnat qui permet quand même aux joueurs d'avoir de la compétitivité, du rythme pour pouvoir aller affronter une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, on ne comprend pas le pourquoi on a du mal à organiser ce championnat-là pour les filles. Quand on sait que... Il y a un problème de documents. C'est ce qu'on a dit. Mais quand vous approchez les présidents de clubs et consorts, ils vous disent qu'ils ont posé des revendications qu'on n'a jamais prises en compte. C'est ce que moi, j'ai appris auprès de certains présidents. Et comme quoi, c'est là le réel problème plutôt que ce qu'on nous dit que les clubs ont du mal à s'engager ou les clubs ont du mal à enregistrer leurs joueurs. Je pense que c'est plutôt les revendications posées par les clubs. Et en tout cas, c'est ce que certains présidents nous ont confié quand même quand on les a approchés. Donc, aujourd'hui, le football féminin, on dit que c'est ce football-là qui est plus subventionné par la FIFA et le football des jeunes. Si la FIFA met de l'argent pour ce football-là, pourquoi on a du mal quand même à donner cette subvention-là au club et consorts? Je ne sais pas ce qui se passe réellement. Bon, le championnat ne se joue pas. À défaut du championnat, on se regroupe pour pouvoir quand même entretenir les filles. On ne peut que faire ça. Il n'y a pas autre chose à faire. Bien. Maintenant, est-ce qu'on doit s'attendre à ce que ces regroupements-là puissent donner quelque chose? Moi particulièrement, bon, je me dis que cette qualification-là qui nous est tombée dessus, on va aller se représenter à cette CAN-là et revenir. Bon, si éventuellement on s'y retrouve et que Dame Chance nous accompagne encore, tant mieux. Oui, Florent. Ouais. Oui. Football féminin, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous savez, ce n'est pas facile de former les jeunes filles. Oui. Ceux qui sont téméraires, ceux qui ont essayé au début, les gens se sont moqués d'eux. Et aujourd'hui, c'est en train de porter des fruits. Et je vais vous raconter une toute petite histoire et très rapidement. Oui, très très rapidement. Et oui. C'est juste au lendemain de la qualification, la même nuit, j'étais dans un groupe où, juste après l'arrivée du président de la fédération, tout le monde s'est levé et on a applaudi pour le féliciter pour la qualification. Ce qui est normal. Mais en même temps, j'ai eu un petit sentiment, un pincement au cœur. J'ai dit, je suis club formateur. J'ai formé trois filles qui étaient dans cette équipe justement qui nous ont qualifiés. Qui sait? Qui le reconnaît? Qui m'a applaudi moi? Qui applaudit ce Améthi Valentin? Qui applaudit Bloport, qui est décédé, les armes à la main, si j'ose dire, qui s'est sacrifié pendant des années et qui aurait été très heureux de voir aujourd'hui que cela est en train de porter quelque chose. Ils sont pleins, ces hommes-là, ces femmes-là qui se sont sacrifiées pour la formation de ces enfants. D'où la question véritable de subvention des clubs féminins. Pas seulement des clubs qui participent à la première division, de tous les clubs qui forment les jeunes filles. Les subventions de la FIFA, nous tous, nous les connaissons. C'est le projet Forward. Nous savons combien ça fait. Parfois, c'est des demi-milliards. Où passent
ces subventions-là. Est-ce que ces subventions servent aujourd'hui à préparer juste une équipe nationale? Ou bien cette subvention doit contribuer à former de plus de jeunes filles l'équipe et surtout inciter les gens à continuer à former les jeunes filles? C'est pour ça que nous parlons souvent de labellisation. Tout le monde forme, certes, mais il faut encourager ceux qui forment les jeunes filles. Mais aujourd'hui, c'est en train de porter des fruits. Et c'est d'autres qui récoltent les lauriers. Je ne suis pas contre. C'est bien. Mais aujourd'hui, il est temps quand même de se poser les vraies questions et de se poser les questions sur l'avenir de ce... Il ne suffit pas de se qualifier pour une CAN pour que le football féminin au Togo, qu'on dise « Ouais, ça va, félicitations, madame la ministre, madame le ministre, félicitations, monsieur le président de la fédération, bien qu'on ne soit pas contre. » Mais qu'est-ce qui se fait à la base? Qu'est-ce qui se construit? Bon, aujourd'hui, parlons donc justement de cette équipe et du championnat qui, justement, n'a pas lieu. Vous parlez du championnat de D1 et le championnat de D2. Ça va se jouer, le championnat? Vous pensez que ça va se jouer? C'est programmé, donc tôt ou tard, ils vont le jouer. Mais un truc qu'on reporte tout le temps, ou qui va se jouer. Il semble que finalement, ça va être 8 clubs. Si ça va se jouer, on va jouer quand? Peut-être qu'on a parlé de début mai. Pour commencer avec 8 clubs, il semble que c'est... Je vous dis que jusqu'ici, moi j'ai approché des présidents de clubs qui disent qu'ils ont posé des revendications. Donc s'ils n'ont pas ces revendications, ils ne jouent pas, c'est ça? Ah oui, c'est ce que les présidents de clubs disent. Est-ce que c'est pas mauvais? Aujourd'hui, les gens se sont rendus compte que, comme il le dit, leur compétition, l'argent ne provient pas ni de l'État, ni de la fédération. Et donc, on leur envoie cet argent-là de quelque part. C'est la FIFA. Est destiné, c'est la FIFA. Et les gens savent que cet argent-là leur appartient. Et pendant, on se rappelle dans le temps où l'ex-secrétaire général, actuellement ministre du Tourisme, avait déclaré qu'ils avaient quand même pris une partie de cet argent-là pour faire le championnat masculin. Nous tous, nous avions déclaré ça. Alors, pourquoi on ne donne pas cet argent? C'est la question que nous posons. Et c'est ce que les présidents de club veulent comprendre désormais. Que les sous qu'on leur envoie, ça passe par où? Ou si la FIFA n'envoie plus? Les clubs féminins doivent être subventionnés. Ça, c'est un. Deux, il faut organiser absolument le championnat. Et c'est ça qui va permettre donc de détecter les véritables filles qui peuvent nous représenter. Et mais au-delà donc de cette question-là, la vraie question qu'il faut se poser, c'est quelle planification on fait aujourd'hui pour le football féminin? Parce que souvent, nous aimons ça. Nous dormons sur les lauriers. À chaque fois qu'on a une qualification, c'est que tout va bien. Et après, on va encore, lorsqu'on va avoir encore des défaites enchaînées, on va dire, les gens sont en train de préparer leur mission vers, c'est où déjà ça va se jouer? Maroc. Et ils sont déjà en train de se battre qui va être dans la délégation, qui va prendre les frais de mission, etc. C'est comme ça. Mais c'est comme ça, ça se passe et ça a été toujours comme ça. Uh-huh. Et je suis sûr qu'on va commencer par nous parler de mobilisation des fonds pour que cette équipe-là puisse aller participer, ouverture de choix et augmentation du prix du ciment ou de je ne sais pas quoi, etc. Et qu'à la fin, qu'on nous dise que ouais, quelqu'un a détourné des milliards et ça va être encore commission d'enquête, machin et tout ça. Mais on en a marre. Et moi, je dis que ceux qui se battent, des gens, des clubs comme FSA, des clubs comme Gazelle, des clubs comme Djabir, donc aujourd'hui, on a intérêt véritablement à inciter ces gens-là et à inciter même les clubs même de D1, de D2 traditionnels, et à Gaza, Semassi, etc., à avoir des équipes de féminines. Et je ne vais pas faire le corollaire, vous le savez, avec les équipes de jeunes. Et donc, si aujourd'hui la fédération a envie véritablement de nous parler de développement, parce qu'il s'agit de ça, la fédération est en charge le développement de la pratique, pas l'organisation des compétitions. Ils ne sont pas dans l'événementiel. Ils sont là pour faire développer la pratique. Et pour faire développer la pratique, il faut financer les clubs, investir. On me parle de qualification de joueuses. La plupart du temps, chaque fois, c'est ce qu'on nous ramène. On nous dit, les filles n'ont pas de documents. Et donc, on ne peut pas leur faire des licences. On oublie le système FIFA Connect. On dit, faites les choses. Et ça crée une dépravation. Ça crée même une transhumance de joueuses. Et nous, on n'arrive même pas à protéger les joueuses que nous avons formées. Parce qu'on dit non, ce n'est plus la peine d'utiliser les cartes d'identité, donc on va faire juste les licences comme ça. Et tu te rends compte que ta fille est en train de jouer pour un club, tu ne peux même pas t'imposer à cela. Ce n'est pas que tu es contre pour le fait qu'elle joue, mais quand même, les choses doivent se passer dans les règles de l'art et qu'il y ait une reconnaissance de la personne qui a formé au moins la jeune fille. Bien. C'est un sujet sur lequel on va revenir forcément dans les jours à venir. Edem Bolor, oui, vous disiez toujours, ou bien vous dites toujours que oui, cette histoire de football féminin, c'est une perte de temps, je ne sais pas. C'est vrai, c'est une perte de temps. Vous savez,
c'est tout simplement les manque de... Les filles ne seront pas d'accord avec non, toi. Non, c'est une perte de temps, il faut avoir le courage de le dire. Surtout mais avec, les surtout filles avec se ce bureau. Elles avec, ont gagné 5 millions. Surtout avec ce oui. bureau du colonel Akpovi, oublions un peu le football féminin. Peut-être mais, non, ça, non, ça, ça je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas la fédération qui fait le football féminin. Ça se joue, non, je ça dis, se joue. Hein, sans, excuse-moi, je vais dire quelque chose rapidement. Sans même ce bureau, on arrive à envoyer des filles en Europe pour aller jouer. On ne joue pas pour l'équipe nationale. Non, pas forcément. On parle de championnat aujourd'hui. Tu peux former et envoyer. Le colonel fait 6 ans. On a organisé le championnat féminin combien de fois? Je suis d'accord avec toi, mais il ne faut pas dire que c'est une perte de temps. C'est pas une perte de temps. Pour ça, il dit pour le moment, le football féminin n'est pas une priorité pour le colonel à Akpovi. Mais ils ne nous conditionnent pas, c'est ce que moi je veux te dire. Ils font ce qu'ils ont à faire, mais dans le championnat, ou bien on forme peut-être pour que les équipes prêtent les joueuses et tout pour jouer dans un championnat. Eh bien, s'il n'y a pas les clubs à l'étranger, d'abord il faut que la joueuse fasse ça, une preuve dans un championnat local d'abord, pour permettre... pour avoir une visibilité, une vitrine et pour qu'on détecte ces talents-là pour les vendre à l'étranger. Eh bien, s'il n'y a pas un championnat au plan national, bah, les clubs forment. Peut-être les clubs même vont prendre leur téléphone pour appeler un président en Turquie, quoi. J'ai une joueuse qui est bonne, je vais vous envoyer sa vidéo. C'est ce qu'on fait, on est obligé. Ben, mais s'il y a un championnat, on ne va pas faire tous ces tracas-là avant d'exporter nos talents. Il y a un championnat de D1 masculin, mais combien on exporte? Bon, vous pouvez faire le championnat et vous n'allez même pas être regardé parce que votre championnat ne vaut rien ou bien n'a pas un certain niveau. Comme moi je l'ai dit, c'est un manque de volonté et je ne veux pas revenir sur ce sujet, mais pour moi, à un moment donné, le colonel est trop permissif. C'est-à-dire, c'est un corps habillé, mais il n'est pas rigoureux dans sa gestion. Non. Il n'est pas rigoureux dans sa gestion. On a déjà vu des corps habillés passer au niveau de la Fédération togolaise de football. C'est quelqu'un qui est, je ne sais pas, il tolère tout. Un corps habillé, parfois, ça prend des décisions. Le colonel est doux avec tout le monde. Il dit oui à tout le monde. Et ça ne peut pas contribuer au développement de notre football. Bien. À un moment donné, nous voulons renverser la pyramide, nous voulons réinventer la roue. On dit la sélection, c'est pour les meilleurs du moment. Et les meilleurs, on les trouve où? Dans une compétition, dans un championnat. Quand on a sélectionné les 30 joueuses là pour un stage de 10 jours, on les a trouvées où? Dans quelle compétition? Quand les locaux sont partis la dernière fois en Algérie, on les a pris dans une compétition. Quand Paulo Duarte a envoyé des convocations aux joueurs à l'étranger, ces joueurs sont en compétition. Alors, pour la sélection dames, ces joueuses-là jouent où? Sont dans quelle compétition? Donc, aujourd'hui, nous, les meilleurs du moment sont à la maison, sont chez leur mari, sont chez leurs copains, dans des restaurants, dans des bars. Même si elles sont en compétition, elles sont chez leur mari, chez leurs copains. Ou bien... Si, c'est pour dire que... Bon. Elles ne jouent pas, voilà, elles font rien. Elles vont s'entraîner rarement. Peut-être l'absence de compétition n'est pas. C'est normal. Il faut des compétitions. Mais moi, je dis, on ne va pas laisser la fédération embrigader le football féminin. Au-delà de tout, ils doivent organiser les compétitions, ils doivent organiser l'équipe nationale comme il se doit. Mais en même temps, moi, j'appelle tous les clubs à une certaine autonomisation et optimisation. Très bien. Et s'il n'y a pas un championnat féminin, moi j'aurais préféré qu'on... Monsieur Florent, vous avez beau autonomiser, optimiser. S'il n'y a pas de compétition où vous pourrez exposer vos valeurs, d'où la nécessité d'organiser cette compétition-là pour les dames. Comme elle est en train de le dire, on a convoqué des joueuses qui viennent de la maison, qui vont venir essayer de se frotter pendant 10 jours et repartir. Et après, mais nos jeunes filles même partent, elles vont au Bénin, elles vont au Ghana pour aller jouer. Bien, et le travail revient à zéro. Vaut mieux regrouper ces filles durant 3 mois et aller à la compétition au Maroc. On fait 10 jours, on laisse, on revient 10 jours et c'est avec ça qu'on va aller à la CAN. La première fois, qui est historique. Pour aller jouer contre le Nigeria et autres. Le colonel commet un crime contre le football féminin. Ah bon? Bien évidemment. Un crime. C'est un crime contre le football féminin. Très bien. On verra la suite s'il commet un crime ou pas. Mais il va permettre aux filles peut-être d'aller en mise au vert au Maroc, en Tunisie. L'équipe nationale s'est qualifiée. Mais c'est du travail qu'il fait, non? C'est du travail qu'on fait. Très bien. Que nous, les clubs formateurs, nous faisons. Très bien. Parlons du tirage au sort des U17 par rapport au tournoi à UFOA qui a lieu au Ghana entre le 11 et le 24 juin prochain. Le tournoi à UFOA B des moins de 17 ans. Le Togo qui tire le Ghana et le Nigeria très rapidement. Que dites-vous là-dessus? C'est jouable? Oui, bon.
qu'est-ce qu'on peut dire devant justement ces clubs-là, ces pays où il y a un championnat de jeunes, où c'est mieux organisé, ou qui ont déjà participé au championnat africain, au championnat, aux Coupes du Monde, qui l'ont même déjà remporté à plusieurs reprises. Et donc, ça veut dire qu'il y a un vécu, il y a une expérience, il y a une structuration qui est déjà mise en place au moment où nous, on est en train de se chercher. Et selon même les informations actuelles, notre équipe U17 n'est même pas encore totalement forgée. Oui. Parce qu'il y a encore des problèmes de documents, il y a encore des problèmes de tricherie par rapport à l'âge. Nous avons été mordus par le serpent une fois, mais apparemment, on n'a pas tiré les conclusions. On a fait des stages pendant déjà un mois déjà avec des jeunes, mais finalement, on se rend compte que plus d'une vingtaine ou bien parmi eux n'ont pas encore les documents. Et on va encore avoir les problèmes. Ça veut dire que le Togo a déjà perdu le Je vous dis que vraiment, il y a une cacophonie, il y a des difficultés d'organisation. J'ose rejoindre Edem dans ce sens parce que c'est vrai que je ne peux pas comprendre comment les choses s'organisent à ce niveau-là. Et je pense bien qu'il est temps que la fédération reprenne donc les cornes et essaie de nous organiser le mieux possible lorsqu'on parle de football des jeunes. Excuse-moi rapidement, oui, je vais terminer en disant ceci. Oui. Le vrai souci, c'est quoi? On refuse de capitaliser les acquis. On refuse aussi, je vais encore utiliser les termes optimisation, d'optimiser les ressources. Et quand toute personne qui vient repart à zéro, reconstruit, alors qu'il y a des choses qui existent déjà. Je ne veux pas tirer le drap vers nous. Il y a beaucoup d'associations, des académies. Nous sommes là, nous sommes sur le terrain, nous faisons des compétitions, même si ce n'est pas des compétitions officielles. Nous nous connaissons, nous savons à peu près, nous avons même des sélections. Mais tous les sélectionneurs qu'on nomme, et la plupart du temps, on les prend de D1 ou bien de D2, qui n'ont pas une vocation de formation, qui ne cherchent qu'à gagner. Voilà. Je veux gagner, moi on m'a donné ça, il faut que je gagne. Après, on va me donner U23, après, on va me donner équipe senior. Et après, ils ne nous consultent même pas. Et on organise des détections sauvages, eux-mêmes c'est comme ça ils les appellent, on appelle 400-500 personnes, enfin venez sur ce terrain, en une heure, en deux heures de temps, on va détecter les meilleurs joueurs, et à chaque fois on reprend à zéro, aucune consultation, et finalement on se retrouve avec des jeunes qui ne représentent pas véritablement les talents que nous avons, bien sûr en absence d'un championnat qui aurait pu véritablement montrer les choses, le baromètre, mais nous ne disons pas ceci, consultez-nous. Allons-y, nous nous connaissons, nous nous jaugeons et nous pouvons aussi contribuer d'une certaine manière, mais il appartient au sélectionneur de prendre la dernière décision pour dire, voilà, organiser. Nous sommes allés même jusqu'à proposer même des matchs amicaux pour pouvoir au moins détecter les jeunes. On peut organiser des galas, on peut organiser des choses vite fait. On a fait un mois, on peut prendre deux semaines pour organiser des compétitions entre plusieurs académies. Si ça va être gros, on dit sélection. Deux AFOOT peut faire une sélection de meilleurs jeunes, ACFOOT peut faire une sélection de meilleurs jeunes, d'autres clubs même pourquoi pas les ligues, entre les ligues, pourquoi pas entre les districts. Et tout cela pourra permettre de retrouver les choses. Je pense qu'ils ont pris le mauvais bout. Et aujourd'hui, on risque d'avoir les mêmes difficultés qu'il y a trois ans où nous avons été sanctionnés. Oui, Chariwi, Nigeria, Ghana, on a comme l'impression que c'est mal parti pour le Togo. Oui, comme il a dit, par rapport au vécu, par rapport à l'expérience et par rapport à la manière dont les choses s'organisent dans ces pays-là, qui ont plus de régularité dans leur organisation, qui ont plus de pratiques, on va dire, plus concrètes dans leur organisation, on va dire que les dés sont déjà pipés, mais ça reste le football. Le plus souvent, il peut y avoir des surprises. Il peut y avoir des surprises, on va aller clopin et on va peut-être damer les pions à ces équipes-là. Mais le pragmatisme, j'y suis arrivé, voudrait qu'on soit réaliste et qu'on dise que par rapport à ce tirage-là, ce n'est pas un bon tirage pour le Togo. Du côté des U20 et des Mbolor, on va avoir la compétition au Niger, c'est du 7 au 20 mai, c'est très proche d'ailleurs. On a le Niger, pays hôte, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin. Vous savez, si on a le championnat des jeunes, il y a une bonne planification par rapport aux sélections des jeunes. Je pense que quel que soit le tirage, on peut faire quelque chose. C'est parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de compétition de jeunes. La formation même des équipes nationales de jeunes constitue un problème. C'est pour ça qu'on s'inquiète. Vous savez, si tout se fait dans une bonne direction et après, il y a la motivation, l'état d'esprit du groupe, les équipes de jeunes, surtout au Togo, peuvent soulever des montagnes. Vous avez vu la dernière fois les éperviers d'âme. Ce sont des filles qui se sont battues elles-mêmes
pour obtenir cette qualification. Il n'y a pas eu de compétition. Même la fédération, même l'accompagnement de la fédération n'a pas été ça. Mais c'est des filles qui se sont dit, waouh, on va faire quelque chose. Il y a un public derrière nous. C'est ce qu'on peut faire aussi avec les équipes de jeunes. Moi, je pense que le plus grand sacrifice que le colonel Akpovi fait aujourd'hui pour les équipes des jeunes, c'est de les engager pour les compétitions. C'est tout. Le reste, là, débrouillez-vous. On fait tout pour vous nommer un sélectionneur. Et ouais. Bon, à la fin, on dit débrouillez-vous. C'est tout. Ah bon? C'est-à-dire on veut remplir le calendrier des compétitions au niveau de la CAF et de la FIFA. C'est tout. Le reste, là... Il n'y a pas d'application, il n'y a pas de sérieux, rigueur. Il n'y a rien. Comment se fait même la détection des talents? Florent est revenu sur ça tout à l'heure. Maurice Moutoudien, on dit tout le monde venez. D'abord, ça veut dire qu'on exclut peut-être certains jeunes qui ont peut-être la capacité même d'évoluer. Par exemple, au Nord, par exemple. On peut faire des... Il ne peut pas venir. On fait une détection au stade municipal de Lomé. Tu peux peut-être ne pas être en forme le jour-là. Voilà, on fait une détection. 500 joueurs. En 2 heures de temps, vous prenez 30 dedans. Comment est-ce que vous êtes sûr que c'est le meilleur que vous avez pris pour la sélection? Les techniciens les ont vus? Non, écoutez, dans une série de jonglages ou de quoi, de séances, c'est ça une détection? Non, on détecte des joueurs dans une compétition. Pas en jonglage, pas en séance. Comment si plus souvent, ils mettent les équipes en deux camps. Ils jouent 15 minutes, on donne 10 minutes, 5 minutes aux joueurs. Ce laps de temps, ça ouvre la porte au clientélisme. Voilà. Tu appelles tel coach, envoie-moi 2 joueurs. Tu appelles tel autre, envoie-moi. Et puis, donc là aussi, le Togo n'a pas de chance pour les U20. Non, le Togo. Oui, Niger, Côte d'Ivoire, Bénin. On va aller se débrouiller et puis revenir. Par rapport au U17, Flora a insisté sur quelque chose. Cette histoire de test IRM, ça va encore nous rattraper. C'est vrai. Ça va encore nous... Par rapport à la manière... On n'a pas appris la leçon. On n'a pas appris. Franchement, on n'a pas appris. Ça va encore nous rattraper. Bien. Chérie Adjoblé, pour les juniors... Les gens ne vont plus se verser dans ces gens de... C'est-à-dire d'amateurisme pour que l'on assiste encore. Prendre encore ces risques. Mais c'est qui se passe actuellement? Parce que vous venez de tirer la sonnette d'alarme et les gens vont se saisir pour qu'on assiste plus. On espère. Et chez les juniors, que peut-on dire du Niger, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin dans le groupe A? C'est du 7 au 20 mai. C'est éliminatoire, ça. Oui, au niveau des U20. On a eu à faire de quelques stages. C'est très proche. Aujourd'hui, il n'y a pas de moyen de pouvoir quand même juger véritablement le niveau de cette sélection-là pour dire par rapport aux autres équipes, on aura à faire quelque chose et qu'on sort. Moi, je me dis tout simplement que c'est... Nous allons voir ce que ça va donner. Franck, moi j'ai du mal aujourd'hui à faire une analyse assez pointue de notre football parce que, comme on est en train de le relever de gauche à droite, il y a plusieurs manquements qui font que tu as du mal à trouver les points sur lesquels tu peux te baser pour faire une véritable analyse de ce football-là. Donc c'est difficile, les choses ne se font pas dans les normes. C'est difficile quand même d'évaluer quand même cette formation de U20. Quand le Togo va aller à cette compétition, on va s'attendre à ce que les garçons fassent de l'exploit. Et si ça arrive... Mais l'entraîneur Ameto Kodo dit qu'il est confiant et qu'il a envie de se qualifier. Écoutez, Ameto Kodo à la tête de cette équipe-là. Oui. Bon, je n'ai rien contre Ameto Kodo. Mais est-ce que Ameto Kodo a toutes les ressources, a le background nécessaire? Il le disait tout à l'heure. Les équipes des jeunes, il faut... un entraîneur spécifique. Ameto Kodo a beau faire ses preuves au niveau de la première dans division. La direction technique nationale. Voilà. Maintenant, Ameto Kodo de la première division. On n'a rien contre eux. Hein. Ils sont compétents, c'est sûr. Écoutez, Ameto Kodo aujourd'hui, est-ce que Ameto Kodo a, je ne sais pas trop, hein, je dis peut-être des bêtises, est allé à des stages qui lui ont permis d'avoir des caractéristiques de ce coach formateur-là, des jeunes qu'on sort. Voilà. Je ne pense pas. La licence C, la licence B de 2 semaines, ça ne permet pas d'avoir quand même ces genres de compétences. Hein. Nous n'avons rien contre nos coachs, mais nous disons que c'est ce qui doit être fait. C'est comme ça doit se faire pour que nous puissions véritablement les accompagner, pour que nous ne soyons pas l'entrée de dire ces genres de choses. C'est vous qui dites toujours il n'y a pas de sélection de jeunes, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, mais on met ces sélections en place. Vous dites encore que non, ce n'est pas bien ficelé, ce n'est pas fait. Oui, on voudrait qu'on ait des sélections de catégories, mais pas que des sélections qui poussent de nulle part
et qui ne soit pas mise en place sur des bases saines. Nous voudrions que ça se fasse, mais que ça se fasse. Chez les U20, c'est vrai qu'ils ont sélectionné dans les jeunes, entre guillemets, qui sont dans le championnat. Oui, ils ont pris deuxième division. Deuxième division et autres. C'est vrai qu'ils ont un peu de la matière. Et là-bas, la matière, il n'y en a pas. Ils n'ont pas de compétition dans les jambes. Ils ont joué contre des joueurs de leur club. Non, oui, mais la plupart, quand même. Bon, je ne dis pas que c'est une équipe super de chez super, mais moi, je veux dire simplement que. Et là-bas, déjà, on parle moins d'IRM parce que bien qu'on sait qu'il y a beaucoup de tricheurs. Comme toujours, oui. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Mais c'est vrai que ce n'est pas orthodoxe, tout ça. Et le Togo a-t-il une chance face au Niger, Côte d'Ivoire et puis le Bénin? Peut-être face au Niger. Et même face au Bénin, c'est possible. Le football béninois est aujourd'hui au-dessus de nous parce qu'ils sont mieux organisés. Mais techniquement, ce n'est pas encore ça. Parce que moi, je dis le Togolais, justement, comme il le disait, on a des jeunes talentueux, naturellement. C'est ce qui va entourer pour que ce soit véritablement prolifique. C'est ça qui nous manque. Donc, il y a une possibilité à ce niveau-là-bas. Ouais. La Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus difficile. Bénin et Niger, moi, je me dis que c'est prenable. C'est prenable si le coach sait quand même utiliser les pions qu'il faut pour qu'on puisse en sortir. Mais globalement, nous le disons encore une fois, la fédération, c'est bien de faire quelque chose, mais il faut bien le faire et mieux le faire. Et si ces conditions-là ne sont pas réunies, les jeunes peuvent être talentueux n'importe comment, on aura des difficultés et c'est pas ce que nous attendons. Nous sommes patriotes, mais il faut quand même qu'on tire les sonnettes d'alarme dès maintenant et quelque chose est faisable avant les compétitions pour qu'on puisse être véritablement représentés. Oui, voilà, on va partir sur la question du stade de Kégué. Théo Javon, une chanson des Éperviers peut-être avant de venir ouvrir le débat sur cette situation. Le stade de Kégué depuis un moment n'est pas forcément homologué. Il y a eu des dérogations pour pouvoir jouer les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar 2022. Après, il y a eu des aménagements à faire. On parle de salles antidopage, on parle d'infirmerie, les voies d'accès, beaucoup plus de sécurité au niveau de la tribune VIP, beaucoup de choses qui n'ont pas été faites pour le moment, alors que les éliminatoires commencent dans moins de 2 mois. On va revenir là-dessus. Et voilà, la question se pose. Il y a eu entre-temps une réfection du stade de Kégué où on a refait la peinture, on a remis des choses en place. Et après, il y a encore d'autres demandes de la CAF pour rendre ce stade totalement aux normes internationales. Le Bénin a fait la même chose, dans les meilleures conditions, pas de problème. Mais là, le Togo, la pose des sièges n'est pas terminée. On parle de salles antidopage, des infirmeries bien équipées. On parle d'un groupe de 1200 KVA. C'est pas des groupes qui courent les rues. Bon, beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Les Éperviers qui risquent peut-être d'aller jouer leur match à domicile ailleurs, alors qu'au même moment, on parle de remobilisation autour de cette sélection. Que doit-on faire aujourd'hui? Vous savez, quand il s'agit du stade, stade de Kégué, c'est du ressort, si je ne m'abuse, de l'État. Oui, bien sûr, de l'État. Sinon, du ministère. La direction, c'est du ressort. Et donc, je pense que la fédération, on la consulte peut-être quand on veut faire les travaux. Mais quand ces travaux de réflexion avaient débuté entre-temps, moi, j'ai cru comprendre que la fédération n'a pas tellement été associée. Ce qui a fait que on a fait des trucs et ce n'est qu'après qu'on s'est rendu compte que on les a fait, mais ce n'est pas dans les normes. Et quand on parle effectivement de salles antidopage, pour avoir participé à des organisations, des matchs, des Éperviers, je peux véritablement dire que cette salle-là, la salle est là, mais elle est vide. Elle ne contient pas le matériel nécessaire pour pouvoir permettre à ce que quand ces matchs-là vont s'organiser, qu'on puisse quand même faire, ou les médecins de la CAF et consorts puissent faire leurs travaux en toute liberté. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses,
on voit le stade peut-être de loin un peu pimpant et consort, mais il y a beaucoup d'aspects qui ne sont pas encore aux normes de la CAF et de la FIFA, donc qui doivent être refaits. Et je dis aujourd'hui, c'est au ministère des infrastructures ou du sport, des infrastructures, ou peut-être à l'État de manière générale, de pouvoir revoir ça. Et quand ces réflexions vont se faire, qu'on le fasse en concomité avec la Fédération togolaise de football, pour que la Fédération puisse quand même donner les directives, ceci, il faut le faire comme ceci et comme cela. Je le dis encore une fois que j'ai constaté, quand ces travaux-là ont débuté, que les spécialistes de la fédération ont été mis à l'écart. Et donc, comme ils ne pouvaient pas aller peut-être dire aux gens du gouvernement, « Bon, donnez-nous, nous allons faire, c'est comme si il faut faire. » Ils se sont mis à l'écart, ils ont regardé faire. Et comme ça n'a pas marché, maintenant on est obligé de revenir à la case de départ. Donc je me dis qu'on peut quand même se rattraper. Vous parlez de groupes électrogènes de tel, ça ne coupe pas les rues, mais cela voudrait dire que le prix, quel qu'en soit le prix, ça ne dépasse pas le Togo quand même. Bien maintenant, sûr, si on veut, l'équipe nationale, c'est du ressort du gouvernement. Est-ce qu'il y a cette volonté? Vous constatez qu'il y a cette volonté de mettre les choses au nord? Le sport en général au Togo, on le fait parce que si on ne le fait pas, les gens vont dire qu'on ne fait pas le sport au Togo. Sinon, en réalité, si vous assez, vous voulez analyser s'il y a une véritable politique sportive pour ce pays-là, est-ce qu'on veut faire le sport dans les normes? Tu te dis non. Edem Bolor, la situation, elle est là. La réalité, c'est que oui, le Togo doit jouer en juin, mais le risque est profond, le risque est grand. Le risque de voir les éperviers ne pas jouer là-bas, ce risque existe. Vous m'excusez, mais j'ai l'impression que parfois, nous réfléchissons comme la superficie de notre pays. Nous réfléchissons comme ça veut dire quoi? La superficie de notre pays, oui, la petitesse de notre État. Oui, le Togo fait 56 000 kilomètres. Oui, ouais. Nous réfléchissons petitement. Mm-hmm. Petitement. Pourquoi je dis cela? Ces travaux-là, on a réceptionné le stade de Kégué en 2019. Et ça a coûté pratiquement 15 milliards de francs CFA. Et c'est le rendement de 15 milliards de francs CFA qu'on observe comme ça. On a mis juste des couleurs. C'est seulement la pelouse qui a été refaite entièrement. On a mis juste des couleurs tout autour du stade et ça a coûté 15 milliards. Pratiquement. Les peintures. Tout ce qu'on voit là, le budget c'est 15 milliards. Sans les sièges en plus. Oui, sans les sièges. Et à l'époque, c'est le ministre Guy Madi Lorenzo qui a lancé ses travaux. Après, c'est M. Folie Bazi Katari qui a réceptionné ce stade avec un match inaugural devant le chef de l'État. Le ministre Guy Madi Lorenzo est allé à la CAN en 2017. Est-ce qu'il a vu un stade à Libreville ou quelque part où c'est le ciment? Non, soyons sérieux. 15 milliards de francs CFA, voilà pourquoi je dis on réfléchit comme la petitesse de notre pays. Parce qu'on n'a pas des objectifs, on n'a pas une vision. C'est le seul stade qu'on dispose, c'est le grand stade du Togo. Quand on veut faire la réfection de ce stade, on prend tous les paramètres en compte. C'est comme aujourd'hui, on fait les routes, on oublie que peut-être demain, ça ne sera plus 1000 habitants. 1000 habitants. Ouais. Ça peut augmenter à 5000 habitants, mais on fait juste une petite route de 1000 habitants. Dans 5 ans, quand ça deviendra 2000 habitants, 3000 habitants, on va encore casser ce qu'on a fait et recommencer encore. Ça, c'est de l'argent qu'on prend pour jeter par la fenêtre. Moi, je dis, l'Assemblée nationale doit convoquer les deux ministres qui ont géré la réfection de ce stade de Kégué, notamment le ministre Guy Madi Lorenzo et le ministre Folie Bazi Katari. Où sont passés les 15 milliards, se demande. Oui, c'est ce qu'on se demande, parce que ce qu'on a fait là, c'est du désordre. Comment est-ce qu'on peut faire la réflexion de ce stade sans associer la Fédération togolaise de football, qui est en collaboration avec la CAF, la FIFA, qui doit savoir que voilà, pour avoir un stade homologué, il faut ça. Il faut un passage pour les handicapés et tout. On n'a rien de tout ça. Êtes-vous sûr qu'ils ont écarté la Fédération? Thierry vient de le dire, la FTF n'a pas été associée. Quand vous approchez les dirigeants de la FTF, ils vous disent qu'ils n'ont pas été associés. Aujourd'hui, les sièges qu'on pose là, c'est la Fédération même qui est en train de faire ça. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. On ne peut pas prendre 15 milliards de francs pour faire du badigeonnage. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que les dirigeants, bon, je ne sais pas comment le dire, nos dirigeants parfois
ils s'en foutent, hein, ils font ce qu'ils veulent. Quand on parle de, quand par exemple vous évoquez la salle antidopage, ce n'est que au niveau de la fédération qu'on sait que dans l'organisation d'un match, il faut préparer une salle antidopage parce que à n'importe quel moment, la CAF ou la FIFA peut vous demander qu'on prenne deux ou trois joueurs pour leur... et il faut des installations. Même dans la salle du commissaire au match, des arbitres, on va louer des fois des chaises pour poser. Or, il doit y avoir des sièges en permanence, un bureau, un réfrigérateur. Il y a plusieurs... On doit équiper ces salles-là. Mais si vous y allez, vous allez constater que les salles sont là. On a mis commissaire au match, on a mis quoi, la fiche sur la mais porte. Mais ces salles sont vides. Cela voudrait dire que, quelque part, si ces travaux-là, quand on a commencé ces travaux-là, on a consulté véritablement les membres de la fédération. Il y a plusieurs personnes ressources à la fédération. Oui. Elles diront, et cette salle-là, elle doit comporter ci, elle doit comporter ça. Le docteur Kouvaré a souvent clamé, quand on veut organiser les matchs, il faut voir le docteur Kouvaré, il doit courir de gauche à droite, demander ci, demander ça pour pouvoir quand même avoir des installations en termes d'installations médicales pour que le match puisse se tenir. Donc, quand vous prenez tout ça là, vous les mettez ensemble, il n'y a pas été ce travail consultatif là qui a été fait ou ce travail, on va dire, en symbiose qui a été fait entre la fédération et le ministère dans le temps. C'est ce qui nous conduit aujourd'hui à avoir encore ces manquements-là au niveau de ce stade-là. Quand vous voyez le stade de l'extérieur, vous allez penser que tout est dans les normes. Mais ces choses-là qu'on relève, ce sont les choses les plus importantes qu'on doit avoir pour qu'il y ait quand même de la sécurité ou pour que tout soit requis pour qu'un match de football de niveau international puisse se tenir. Les bandes de touche. À un moment donné, moi j'ai honte. On prend des chaises de bureau pour venir disposer tout au long du terrain. Est-ce qu'on peut être prêt aujourd'hui, sincèrement? Ça, je ne peux pas répondre à cette question. C'est faisable. C'est faisable, il faut peut-être travailler. De la volonté et de sortir de l'argent. Bon, tout ce que vous avez souligné dénote deux choses. D'abord, de ce que j'appelle la togolité. Parce que les gens, d'une certaine manière, chez nous ici, je venais tantôt même de le dire, et quand on veut faire les choses, on ne veut pas associer les autres. On se dit, on m'a confié quelque chose, ok, je vais le faire. Mais s'il y a des gens qui sont dépositaires de la chose ou bien qui ont déjà la connaissance, ça ne vous coûte rien d'aller vers ces personnes. Ça, c'est un. Si le ministère, je salue le secrétariat, le nouveau secrétaire général, et M. Hervé et Agbodan, je sais qu'il a beaucoup, il a beaucoup d'informations donc, dans ce sens, parce que quand les experts donc, de la FIFA, de la CAF viennent, souvent c'est lui qui travaille avec eux, ils connaissent les normes, etc. J'ose croire que si le ministère n'associe pas la fédération, le ministère et la fédération est délégataire du pouvoir du ministère, et elle peut envoyer des recommandations au ministère, attirer l'attention. Mais dire, vous ne m'avez pas associé, je croise les bras, je vous regarde, c'est devenu une habitude tellement togolaise que. Et ça pèse aujourd'hui sur eux. Ça me gêne un peu. Bon, il faut dire aussi que dans le temps du ministre Madé Lorenzo, il y avait cette rivalité-là entre la fédération qui ne disait pas son nom. C'était pas ouvert, mais. Écoutez, nous, on a la même situation chez nous à la maison. Souvent, c'est nous, papa, à qui construisons. Et quand la femme veut dire, si tu fais cette pièce, la tête-toi là-bas. Mais finalement, elle aussi, elle va habiter dans la maison. Elle va te dire que mets-moi la cuisine comme ça, parce que tu ne vas pas faire la cuisine où elle va y travailler sans l'associer. Oui. Donc, quelque part, elle a le droit de venir dire, que la cuisine, au moins, mets-moi un évier parce que j'ai besoin de laver la salade tout le temps. Oui. Donc, la fédération peut dire, même s'il y a des querelles, tu finiras par l'utiliser. Tu vas aller jouer où? Donc, tu finiras pas. Vous n'avez même pas un centre technique. Où chaque fois on va dépenser des millions à l'hôtel de février pour dire qu'on est en train de regrouper l'équipe nationale. Alors, ça, on sait qu'il y a des subventions de la FIFA qui permettent d'avoir des centres techniques avec des projets bien ficelés et qu'on puisse peut-être une bonne fois pour toutes avoir un centre d'entraînement, un centre technique et après maintenant aller chercher un terrain où il faut jouer. Donc, il faut une saine collaboration. Si l'autre refuse, toi, tu vas vers lui et tu lui fais les recommandations par courrier recommandé. Et tout le monde saura que tu as tiré ton épingle du jeu, tu as tiré leur attention. Attention, les sièges ne sont pas homologués. Et l'histoire de l'accès au terrain, ce n'est pas la première fois qu'on en parle.
Il n'y a pratiquement qu'une seule route qui mène vers ce terrain-là. Et on sait que pour les normes de sécurité, le commandant Tekpé en saura quelque chose. Oui. Et ce n'est pas normal qu'on puisse avoir ça. L'accès aux handicapés, les toilettes, il y a beaucoup d'éléments. Et l'équipement maintenant donc, de ces salles dont vous parlez. Mais ça, c'est le béaba même d'une organisation ou bien de la construction des infrastructures. Donc, si aujourd'hui, on dit qu'on a dépensé des millions et des milliards d'ailleurs, et qu'on en est là, c'est vrai qu'il faut tirer les responsabilités. Et qu'il est temps quand même que notre Parlement, je rejoins Edem en disant que commence par convoquer les gens et dans des séances publiques que nous tous nous entendons, quelles comme sont les explications qui sont données. La dernière fois, après la CAN, l'équipe nationale du Ghana, les responsables ont été convoqués à l'Assemblée absolument, nationale. Voilà. Absolument. L'impunité et le refus donc, voilà. D'analyse et le refus d'évaluation. Parce qu'au Togo, quand on veut évaluer, on pense tout de suite qu'on veut sanctionner. Non, parfois c'est pour réajuster les choses juste et partager les bonnes pratiques et dire que bon, voilà comment ça va procédure. Se passer. Il faut qu'on évalue les choses et qu'on nous dise pourquoi ça a été fait comme ça. Peut-être que les gens vont tirer leur épingle du jeu en disant, bon, ok, nous, on a tout fait. C'est à un moment donné, ce n'est pas de notre faute, on va applaudir. Mais pour l'instant, nous sommes sur notre soif et nous voulons que l'équipe nationale joue au pays et on a besoin rapidement qu'il y ait un véritable centre, l'équivalent d'un Clairefontaine ou bien d'autres choses pour regrouper les équipes nationales, pour dépenser moins et utiliser ces fonds-là pour financer le football des jeunes, le football féminin. Et c'est inquiétant par rapport au stade de Kégué, on le dit, le Togo risque de ne pas jouer ses matchs à domicile parce que le stade n'est pas pour le moment homologué. Edem Bolor, s'il faut faire quelque chose pour sauver ou bien pour se sortir de cette situation, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de mettre rapidement les moyens, que l'État sorte les moyens. Il ne faut pas lésiner là-dessus. Il faut... Oui. Oui, c'est ça. Je pense que la fédération et puis le ministère, surtout le colonel Akbovi et puis Madame Lydie Bessikama doivent rapidement trouver une solution. S'il faut écrire une lettre au ministère des Finances, exposer le sujet, sortir de l'argent pour faire rapidement les recommandations de la CAF et puis de la FIFA pour que le stade de Kégué soit homologué pour juin. À défaut de cela, on peut utiliser encore des relations, du lobbying. Peut-être le Togo peut jouer à domicile, mais sans son public, et c'est aussi une alternative à explorer. Voilà. Aujourd'hui, demander encore à ce public d'être à la maison. Ah ben, c'est mieux que d'aller jouer au Ghana, au Bénin ou bien en Côte d'Ivoire. Donc, mais si on n'arrive pas à le faire, on peut faire du lobbying pour impossible. Qu'on joue à domicile sans oui. public. Mais comme on l'a fait pour Qatar 2020. Ce qu'on demande, non, ce n'est pas impossible. Oui. On il faut peut-être encourager les gens à aller dans ce sens. Il faut aller très rapidement. Enfin, aujourd'hui, tout est faisable. Tout est faisable, sauf que l'État, au niveau de l'État, les choses ne sont pas comme dans nos poches voilà, où il faut juste, à un moment donné, on a le besoin en face et on met la main dans la poche et voilà. on règle ce besoin. On passe par beaucoup de circuits. Voilà, de fonds spéciaux. Donc, c'est à ce niveau que ce sera un peu compliqué. Mais, comme on le dit, avec la volonté, la compréhension, où les gens se mettent ensemble pour essayer de discuter, de voir la faisabilité de la chose, on peut toujours régler ce problème-là. Maintenant, quand on veut le régler, qu'on le règle pour une fois de bon, pour qu'on ne revienne plus dire dans voilà. deux ou trois ans... Il que, manque l'infirmerie, il manque telle voilà. autre chose. Le problème chez nous, comme on est en train de le dire... 15 milliards. Oui, comme on est en train de le dire, le problème chez nous, c'est que quand on va vouloir faire ça maintenant, on va faire ça au minimum. Et deux, trois ans après, on sera comment toujours à la case de départ. Là, c'est quoi? Il y a Wi-Fi dans la peinture, là, où il y a Bluetooth dedans. Bon, moi, je ne sais pas trop, mais seulement comme vous le dites à un moment, donné, vous savez, on peut être là en train d'accuser des gens, mais quand, comme vous le dites, quand on appelle des gens pour venir se justifier, c'est pas dans un premier temps pour les épingler. Bien sûr. Mais j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et ouais, c'est ce vrai qu'il y a des informations forcément qu'on n'a pas. Justement. Ouais. Donc, à un moment donné, il va falloir que le Parlement joue également pleinement son rôle, qu'on fasse venir des gens, puisque c'est eux qui sont représentatifs du peuple là-bas, qu'on fasse venir des gens, qu'on les écoute et que les gens nous disent « Ah, l'argent que vous nous avez attribué pour faire telle chose, on l'avait dépensé de telle manière, et si ça n'a pas suffi et vous avez ce résultat aujourd'hui, c'est parce que ceci s'est passé, telle autre chose s'est passée. » Je pense que c'est une bonne chose. Mais nous espérons et nous appelons encore à la bonne volonté de nos autorités de pouvoir quand même faire l'exception pour que le Togo ne puisse pas aller jouer à l'extérieur, mais qu'on puisse permettre au public sportif de pouvoir renouer avec ses équipes nationales, si j'ose le dire. C'est très important, c'est très important. Il faut régler cette situation pour que le public sportif, qui pendant longtemps a été, on va dire, un peu sevré,
Il a envie, ce public, de voir évoluer son équipe nationale sur les matchs à venir, surtout les matchs des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Il y aura, on va dire, 4 matchs au mois de juin, parce que c'est 70% des éliminatoires qui se disputent dans ce mois-là. Ben, vivement que les travaux reprennent et que très vite, si on doit travailler nuit et jour, il faut le faire. Voilà, vous dites souvent, aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de la jeunesse. Mais bon, on pense qu'après la disparition du général Eadema, cette situation, c'est plus la même chose. Hein. Voilà, on va voir les auditeurs. Peut-être qu'ils font foutre éperdument des Togo là. Ces jeunes ils sont allés même en finale. C'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Hein. Non, arrêtons des comédies. Crions directement au sommet que c'est comme ça, ça ne va pas. Point de vue. Les auditeurs. Allô? Hey, bonjour, monsieur Franck. Bonjour, cher ami. Aglé Fopa. Oui, grand frère, bonjour. Comment vous allez? Ça va. C'est bien. Pourquoi, chaque fois, si vous invitez les gens, vous n'invitez pas Manu Adjonu? Mais... Je souhaiterais que le jour que vous allez inviter encore notre sélectionneur, oui. faut qu'il y ait Manu Adjonu et son second, là, comment on l'appelle, celui qui est avec vous là. Edembolo, faut qu'ils soient là parce qu'ils ont des bonnes questions à lui poser. Ah bon? Oui, parce que vous avez peur de lui poser des bonnes questions pour qu'il ne pose des questions à qui de... Poser des questions à qui? À notre sélectionneur, ou bien quand vous invitez les personnalités concernant le foot togolais, oui. pour inviter Mané Adjonu et Dembolo, vous vont poser des bonnes questions que nous voulons. Ah, très bien. Parce qu'on les suit, sur la radio virtuelle FM. Uh-huh. On les voit, on les écoute. Très on bien. Sait de quoi ils sont capables. Uh-huh. Ouais. Très bien. Ok, donc je souhaiterais mais que... Je rappelle que Manu Adjonu vient dans cette émission souvent aussi. Hein. Oui, non, j'ai dit le jour qu'on vous invite, Paulo Duarte ou bien les responsables du foot togolais, il faut que les deux soient là, pour les poser des questions. Très bien, oui. C'est noté. Bonne journée à tous et puis bon dimanche à tous les passionnés qui sont éliminés. À très bientôt. À très bientôt. Oui, Edemé ici. Hein. Allô? Oui, allô, Franck. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, et papa Épervier, c'est ça, non? Non, Robert Agbodan. Robert Agbodan, ok, oui. Et c'est bien vrai. Le jour où vous aurez encore les autorités à côté de vous, là. Le jour où on aura? Le jour où vous aurez les autorités à côté de vous, là-bas. Il va falloir inviter le président. Je pense que c'est Manu, le président de l'autre association des jeunes sportifs. Non. Il faut l'inviter. C'est pas lui le président. Ok, l'autre président là, il faut l'inviter. Vous parlez de Innocent Agbléonou. Innocent Agbléonou, justement. Oui. Et deuxième chose, si aujourd'hui on ne voit pas les jeunes sportifs faire les voyages, c'est votre collègue là qui a fait tout ça là, Augustin Améga, qui n'est plus à la Fédération Togolaise de football aujourd'hui. Il faut cesser cette magouille-là dans ce pays. Ah bon? Lui, il a fait quoi? Non, mon frère, vous voulez que je promis ce qu'il a fait là-bas? Mais puisque vous dites que c'est lui qui a fait que les journalistes ne voyagent pas. Il est à côté de tout ça là, c'est lui qui a manigancé tout ça là, c'est lui qui a fait que on ne vous apporte plus de l'aide d'intérêt, les conférences de place dans ce pays. On fait tout ça là. Et maintenant, il n'est plus là. Pourquoi ça ne se fait pas? À vous maintenant, je vois ce qui est là-bas. De renégocier tout ça avec le ministère et la fédération. Très bien. Robert Agbodan. Pour finir, l'affaire de Kégué là, nos gouvernants n'ont qu'à essayer de revoir tout ça là. Sinon, on ne fait pas commencer les éliminatoires et on va jouer les matchs à huis clos ou bien le Togo aller jouer à l'extérieur. Ça ne se fait pas dire d'un pays comme le Togo. Robert Agbodan, merci, à très bientôt, excellent week-end. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, votre nom? Dima, depuis Avoir. Pardon? Dima, depuis Avoir. Dima. Oui. Oui, tout va bien? On rend grâce à vous. On vous écoute. Je remercie premièrement tout le plateau. Merci. Pour le décortiquage des événements, surtout côté football féminin. Pour faire vaillant coach qui arrive à former la fille et sont suspendus au lèvres de l'autorité.
beaucoup de courage à eux, c'est pas facile. Je tiens vraiment à parler du tour du football féminin où on néglige cet aspect. Et je sais, Blocor et Poto-Poto et Aleram, ils avaient dit que le football féminin doit rester un jour le drapeau de notre nation. Et ce qui fut fait. Donc, dans ce cas, sincèrement, il faudrait qu'on revoie l'établissement des actes de naissance et surtout de la nationalité. C'est ça même le problème, la nationalité des joueuses. Il faudrait qu'on revoie le cas là. Pas très bien. Les joueurs, même chez les garçons aussi, il y a ce problème. Qu'on mette un peu des visions vers là-bas pour pouvoir faire un bon football, un bon championnat. Et quant au stade de Kégué, que les autorités mettent la main à la pâte le plus tôt possible pour qu'on puisse voir nos représentants jouer sur notre territoire pour la victoire. Merci beaucoup et bonne émission. Merci à vous, à bientôt. Oui, 92-03-631, allô? Allô, bonjour. Gérard Sélassié. Oui. Tout va bien? Oui, tout va bien. Ok. Maintenant, je vais m'aligner sur Francis. Oui. Et dire tous les jours que tant que le problème des journalistes ne va pas se régler, on va le dire parce que celui qui punit une femme enceinte punit aussi l'enfant qui est dans le ventre. Mm-hmm. Donc, si on ne vous accorde pas. Bon, moi je dis, il faut aller voir le ministre ou qui de droit, quoi. Parce que on vous punit et on nous punit aussi. Très pour bien. Pour nous-mêmes, c'est plus grave. Mm-hmm. Parce que vous avez des moyens par lesquels vous écoutez les choses pour nous communiquer. Nous, on n'a pas de moyens. Donc, que l'autorité nous entende. Il faut que les journalistes voyagent avec les joueurs. Merci. Merci également. Gérard Sélassié, à très bientôt. Allô? Allô? 92-03-631-97-24-26-26. Allô? Oui, allô, Franck. Oui, bonjour. Bonjour. Votre nom? Oui, c'est Bertin de Didiolé. Bertin de Didiolé. Oui. OK, on vous écoute. Oui, j'aimerais savoir, bon, vous dites toujours, la fois passée, vous avez dit qu'il y a 4 matchs d'être prévus en juin. Mais entre-temps, on sait que la CAF va faire le réaménagement de programme. On joue de 30 au 15 de juin, mais je veux comprendre un peu, quoi. Oui, oui, oui. Là-dessus, vous avez raison. C'est peut-être un abus. Maintenant, ça commence du 30 mai au 14 juin. Je pense pour les deux premières journées. La suite, ce sera un peu. J'ai plus les dates exactes en tête. Ah oui, comme vous insistez là-dessus, c'est pourquoi j'ai voulu faire venir ça. Oui, 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 oui. Okay, c'est bon. Les deux premières journées, c'est entre le 30 mai et puis le 14 juin. Voilà. Allô? Allô? 92-03-631-97-24-26-26. Allô? Allô? Oui. Bonjour, monsieur Franck. Bonjour, cher ami, votre nom? C'est Gildas, le coiffeur de Dumas ici. Gildas, voilà, on vous écoute. Ah, Gildas, pour vous encourager, pour dire bonjour aux invités qui sont au studio avec vous. Merci. C'est pour vous encourager. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. 92-03-60-31-97, allô? Oui, allô. Oui, bonjour. Bonjour, là. Oui, je l'avais dit. Dans Iso, Mekayo. Tadjou. Tadjou. Je peux nous croire, oui. Ndekouware. Mais mission à M. Nachak, c'est le dernier jour à Dinamito. Miada, Akpe. Courage, Dinamito. Akpe, non, tchan. Ndekouware. Oh, on en est souvent, c'est la fin, voyons, galé ou quoi. Nous qu'on Retroviseur. Oh, retroviseur à l'eau, viseur. Hein? Viseur et. Ah, bien, 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 mercredi, lundi, mercredi, vendredi. Ah, ok. Hein? Ah, oui. Et ton goin, hein? Et ton goin, maintenant, on vient à son adobe, au moins inviter la Manu. On peut inviter Manu, c'est le cap et pas.
Merci beaucoup. Allô? Allô? 92 03 60 31 97 24 26 26. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, votre nom? Joe. Joe. Oui. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Antoine Nétimé. Ok. On vous écoute. Oui, je voudrais vous féliciter pour le travail de fourmi que vous abattez. Merci. Vous faire une suggestion. Mm. Vous prenez 3 heures de temps pour l'émission, mais moi, je pense que vous parlez. Il y a la première partie que votre collègue là anime par rapport à l'Europe. Oui. Mais je pense que dès lors que nous avons un championnat et que la première place et la deuxième place, ceux qui l'occuperont, ils auront discuté la Champions League africaine et la Coupe CAF. Il va falloir que vous parliez un peu de cette compétition-là aussi, mm-hmm. pour pouvoir mettre un peu les joueurs, et pourquoi pas les dirigeants dans le bain, pour avoir une idée près de comment ça se passe à ce niveau également. Pourquoi pas? Bien sûr, pourquoi voilà. Pourquoi pas? Mm. Merci beaucoup. Merci également, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Allô? Votre... Oui, allô? Oui, votre nom? Kossi de Didiolé. Kossi Didiolé. Oui. Oui, on y va. Allô, Franck? Oui. Je voudrais vraiment vous dire un grand merci. Et à travers vous, à toute la radio, et à tous ces journalistes privés là, que vous invitez souvent pour discuter du football, du sport, du football togolais en particulier. Mm. Vraiment, moi, je ne comprends pas beaucoup de choses. Oui. Je pensais plutôt qu'en matière de journalisme, surtout sportif, les meilleures compétences devraient se trouver dans nos organes officiels. Malheureusement, je ne sais pas comment les choses sont faites debout. Je vous dis, je ne sais pas ce que vous gagnez. Hein. Mais quand les gens vous appellent et qu'ils vous disent qu'ils vous encouragent, je pense que ça doit vous combler et que le bon Dieu vous comble. Je n'oublie pas Angelo Foulque. Merci. Donc vraiment, notre nation, je ne sais pas comment elle est. Tout à l'heure, je viens de capter et je n'ai pas compris que notre stade, le stade de Kédé qui est construit, je ne sais pas si ce stade a déjà 20 ans et que ce stade ne répond pas aux normes internationales. Malgré toutes les réflexions qui ont été faites, il y a des choses absurdes qu'on ne peut pas comprendre au Togo, mais il faut travailler, c'est ça que vous faites. Continuez, je salue tous les plateaux et tous ceux qui sont passés par là et tous ceux qui vont passer par là. Et soyez vraiment comblés. Et même si vous ne gagnez pas beaucoup de choses, je sais que le bon Dieu va vous combler. Merci. Merci également à vous pour le soutien. Théo, un dernier ou bien ce sera fini? Eh bien, on nous dit que c'est fini. Et voilà, on reviendra sur ce sujet, le football féminin surtout, et puis des jeunes, et l'histoire du stade de Kégué, peut-être mercredi, pour approfondir un peu les choses. Merci Florent Kataka d'être venu. Edem Bolor, Chéri Adjoglé, voilà, merci à Edem Bolor, merci à Théo Ajavon, merci également à au docteur Léontine Ntibé qui était là ce matin pour parler basketball. Voilà, Angelo Folicoué, merci à tous ceux qui ont apporté quelque chose dans la réalisation de cette émission et la tenue de cette émission justement. Voilà, à très bientôt.